mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 7e édition du journal culturel. Alors, pour la 7e édition, nous tenons d'abord à nous excuser parce que nous sommes censés commencer à 18h, mais là, il est 18h20. Bon, c'est pour des raisons d'ordre technique, vous savez tous, puisque nous sommes en direct, on a dû avoir quelque chose d'ordre technique. Alors, ce soir, nous sommes à Paris et nous ferons la part belle, n'est-ce pas, à l'Espagne avec d'une part, Patrick Moukala, qui est du côté de Madrid, le couple de banquiers du côté, n'est-ce pas, du Bilbao, et Dominique Ndiaye, qui est ici à Paris avec nous. Alors, on va rapidement aller dans le vif du sujet pour un tour de table, question, n'est-ce pas, que les uns et les autres puissent se présenter et dire bonjour, n'est-ce pas, à tous ceux qui de près comme nous suivent de par le monde. Alors, bonjour Dominique, bonjour le banquier, bonjour Patrick Moukala. Alors, on ira rapidement du côté de Madrid. Alors, Patrick, bonjour et bienvenue à cette 7e édition du Journal culturel. Bonjour, monsieur Iles Opi. Bonjour, monsieur GPS. Bonjour à Dominique Ndiaye. Bonjour au couple banquier. Et bonjour également aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Voilà, nous sommes en direct de Madrid. Allez-y, Patrick Moukala, vous avez la parole. Continuez, Patrick Moukala. Oui. Dominique, justement, attends, c'est à vous la parole. Bonjour. Oui, bonjour, Iles Opi, bonjour, GPS TV. Bonjour, le couple banquier de Bilbao. Bonjour, mon ami et frère Patrick Moukala. Bonjour également à tous nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Alors, le couple de banquiers et la banquière, bonjour depuis Bilbao. Quel temps fait-il là-bas? On imagine que c'est très beau, n'est-ce pas, du côté de Bilbao, puisque nous sommes tout près de la mer. Oui, monsieur Hillet, bonjour. Bonjour GPS. Bonjour à Dominique Ndiaye et à Patrick Moukala de Madrid. Ici, chez nous, il fait tellement beau. Il a fait soleil ce matin. Et déjà là, la température commence à tomber un petit peu, mais il fait toujours beau. D'accord. On a une belle température. Buenos tardes, señorita de banquiers. Hola, buenas tardes. Buenas tardes à Dominique et à Patrick et à JPS et à Hilaire. Comment te vas, señorita? Comment te vas? Me voy muy bien. Todo bien. Encantada. Papa, comment vont les bas? Hein? Mais comment se passe? Merci, Seigneur. Alors, Patrick, tu vas bien que bien. Je suis là-dedans, hein, à fond, là. C'est quand même beaucoup d'années. Je vais comprendre comment ça fait rien. Le contraire, vous aurez un peu surpris, non? Voilà, effectivement. Alors, il serait essentiellement question ce soir, n'est-ce pas, de l'impact du Covid sur la culture africaine, la culture camerounaise. C'est vrai qu'on en a parlé la dernière fois, mais compte tenu du réseau qui était encore et toujours défaillant, on a tenu comme ça à revenir vers vous, d'autant plus qu'on sait que le banquier, d'une part, c'est quelqu'un qui apporte beaucoup à la culture du côté de Bilbao. On a également Patrick Moukala qui sera à sa 1e édition, n'est-ce pas, de la nuit du Cameroun à Madrid. Et Dominique Ndiaye qui a parcouru pratiquement l'Europe depuis l'Italie jusqu'à Paris, qui s'y connaît assez bien et qui continue comme ça dans les conseils, l'assistance aux artistes à apporter à la culture camerounaise. Alors, d'entrée de jeu, le banquier, peut-on avoir comme ça une idée, n'est-ce pas, de votre business? On sait que vous êtes opérateur économique du côté du Bilbao avec ce restaurant, le banquier que vous tenez de main de fer avec madame. Parlez-nous un tout petit peu, n'est-ce pas, de cette belle aventure qu'est le restaurant Le Banquier. Merci, une fois de plus, merci pour l'honneur qui nous a été donné du côté de Bilbao. Et vraiment, je pense que j'apprécie le fait que vous nous remettez tous ces honneurs-là. Alors, parlant de notre restaurant ici en Espagne, côté Bilbao, l'idée nous est arrivée comme ça à l'époque. On en a déjà parlé dans l'un des reportages. L'idée nous est arrivée comme ça quand nous étions à Madrid. Et j'ai perdu mon travail. C'est de là où madame a décidé qu'on vienne s'installer ici au Pays Basque. Alors, une fois ici, vu les économies qu'on avait, on s'est vraiment Dominique Ndiaye de Bruno Prod. Donc, je suis le fondateur de la plateforme de Bruno Prod qui regroupe en son sein un volet culturel, un volet associatif et qui est en train d'étendre ses activités vers l'immobilier.
Donc, Domino Prod et Tetman, à la base, c'est une association pour aider dans la culture camerounaise, c'est-à-dire aider dans la promotion artistique, organiser des événements sociaux et culturels, soutenir les artistes et également faire dans le partage des expériences entre les musiques du monde et nos musiques locales camerounaises. Donc, ça fait déjà pratiquement 13 ans que le Globoprod existe. Et tu l'as si bien souligné, j'ai commencé mes activités en Italie. Nous étions dans les années 2000-2001, où j'ai organisé ma toute première soirée en Italie avec Petit Pays. Ensuite, en 2002, j'ai organisé en collaboration avec un de mes amis qui est entre le Cameroun maintenant, loin de ça. Nous avons également collaboré en Kona pour faire venir la première fois Longuet Longuet. Ensuite, j'ai renchéri en 2005 avec Sergio Polo. Donc, j'étais l'un des tout premiers à ramener Sergio Polo chanter en Italie. Nous sommes en 2005. Ensuite, en 2006, j'ai organisé toujours en Italie. Il faut dire que j'étais à Perugia, Perugia qui est une ville à côté de Rome. Donc, j'ai fait venir en 2006 The Voice, Jacques Kikinien. Voilà, Jacques Kikinien, où j'ai été parmi les tout premiers également à les faire partie de ce côté. Parce qu'il faut dire qu'à cette époque, tout était centré sur Paris. Et j'ai donc eu l'idée, en tant qu'étudiant, de faire traverser ces artistes du côté de l'Italie. Donc, c'est comme ça que je me suis implanté dans la place italienne. Et ensuite, j'ai effectué un déménagement pour Paris avec toute ma famille parce que j'ai eu une opportunité de travail. Donc, je me suis installé à Paris en 2006. Et il fallait transférer la boîte de Domino Pro en France. Ce n'était pas facile vu la législation française. Néanmoins, je me suis attelé et j'ai quand même réussi à implanter Domino Pro à Paris, où j'ai commencé avec les grandes collaborations. J'ai collaboré avec, je vais les citer parce que je pense qu'il Absolument, faut non, pas de souci, on avait le également temps. rendre hommage à ces personnes avec lesquelles on a travaillé. Donc, je suis arrivé sur la place parisienne, j'ai collaboré tout d'abord avec un certain Émile Dou. Émile Dou, qu'il faut dire qu'il est un ami d'enfance, qui était déjà dans Absolument. le milieu parisien depuis les années 2000. Donc, il faut aussi dire qu'étant à Paris, il fallait des liens avec, étant en Italie, pardon, il fallait des liens avec des gars de Paris, les gars forts de Paris, pour que je puisse avoir des artistes aisément. Donc, c'est comme ça que je collaborais avec Émile Dou, qui me conseillait des artistes. Donc, et également en Autriche, parce qu'il faut dire, Dominique était international. En Autriche, il y avait un certain Herman Samba, avec qui on a également collaboré pour produire les Junior Senga, Bimbedi Manteca et autres. Donc, à Paris, donc, je collabore avec Angèle Mallet, qu'il faut saluer, où nous organisons sa toute première grande soirée, les Mines d'Or à Paris. Oui. Les Mines d'Or. Avant de passer, avant de basculer aux soirées des ambassadeurs. Avant de basculer, voilà, c'était d'abord les soirées, les Mines d'Or. Ensuite, on organise la première grande nuit du Cameroun à Paris, avec Jonas le Millionnaire. Parce qu'à l'époque, Avec voilà, Andy Meyer, ouais. l'événementiel était encore en ébullition. On parlait de Donc, Congrès on a organisé la mondial. toute première nuit camerounaise à Paris, Jonas le Millionnaire, Ouais. où j'ai été directeur artistique et également GPS. Voilà, il était dans les coulisses, mais la consécration vient avec Maman Dorine. On organise la nuit, la soirée de la femme. Voilà, avec Maman Honorine, où en l'occurrence, on met GPS en lumière. Donc nous sommes dans les années 2012-2013. Ensuite, j'ai fait plusieurs collaborations, les Jumeaux d'Hôpital, le Jubilé. Voilà, par la suite, je me suis donc mis à organiser ma première grande soirée, la Nuit des Couples, en 2016, qui fut un gros carton. Je crois avec Et Petit Pays, un truc comme ça. avec Petit Pays et Coco Argenté. Donc voilà, Donc, effectivement. c'était ma toute première soirée en tant que. Parce qu'il fallait légaliser l'association. Une fois que j'ai légalisé Domino Prod en 2016,
Donc, j'ai Il fallait organisé. passer à l'action. Fallait passer à l'action, voilà. Donc, D'accord. j'ai fait Coupe du Domino Pro d'organiser la toute première nuit des couples, un concept vraiment novateur et qui a beaucoup bousculé l'événementiel parisien. Donc, à ce jour, il faut dire que Excellent. Domino Pro a son actif plusieurs collaborations, plusieurs organisations. Et maintenant, le volet Domino Pro est aussi dans le conseil, le management artistique. Et je dis que j'ai à manager les artistes comme Junior Senga, qui est le fidèle manager. Donc, tout récemment, bon, c'était très long, on va pas citer tout le monde. Absolument, d'accord. Tout En tout récemment, cas, j'ai réussi à voir. on voit un réel background à la clé. En tout cas, bravo, félicitations, n'est-ce pas, pour tout ce que vous avez pu faire dans l'optique de rehausser l'image de cette culture camerounaise que nous aimons tant. Nous irons rapidement du côté de Madrid avec Patrick Moukala. Alors, Patrick, dites-nous, la grande nuit du Cameroun à Madrid sera sûrement à sa troisième, voire à la quatrième édition. Peut-on avoir une idée de parcours de l'homme pour en arriver là? Non, mais bonsoir déjà, monsieur Sopi. Je Bonsoir. dirais que peut-être l'émission va être très petite, très courte, s'il faille que je mette à dire. Oui, On parce a encore que. un peu de temps. On va pas revenir sur les détails la dernière fois. On va passer vraiment à des choses beaucoup plus essentielles. Oui, parce que. Pardonnez-moi une seconde. Absolument. On va, Pardonnez-moi une vous, seconde. voilà, ça va, ça Voilà, marche. excusez-moi. Voilà, OK. Donc, je disais que, effectivement, Patrick Moukala a produit déjà au Canada à l'époque, en 2013. Même bien avant le Canada, vous faisiez déjà pas mal de choses à Madrid, je m'en souviens, là. Ouais, mais enfin, je cite pour moi les grandes lignes, de mon avis. Parce D'accord. que j'ai fait à l'époque, en 2010, Fally, Koffi, Mewé. Ça, c'est pour les artistes qui ne sont pas camerounais. 2008, Polio et Kitoko, Awilo Longomba, Wera. Cela Après, il y a des. À Madrid, oui, il y a des Équato-Guinéens également, que Fifi La Mireille, Sandra, comment il s'appelle encore celle-là? Donc, bon, le solo béton, je veux dire que franchement, c'est beaucoup. Après, je suis allé en 2011, toujours j'ai fait la nuit en blanc ici, où j'ai produit également Lady Ponce, Bendeka, Zidane, Martin Digital, Pêcheur. vous êtes ensemble, hein? Effectivement. Donc, et en 2013, 13, je suis au Canada, je produis Benji Mateke, Chantal ici, pour dire que j'innove avec la Journée internationale de la femme au Canada parce que c'était la première, mais pas encore eu une nuit comme celle-là. Je crois que c'était le 9 mars 2013 à Montréal. Bon, après, quand je reviens du côté de l'Europe, je cherche donc un concept qui va être, on peut dire, Fédérateur. définitif. Voilà, fédérateur. Parce que je me dis. J'ai fait les nuits black and white, j'ai fait les nuits en blanc, j'ai fait beaucoup de concepts. Donc maintenant, il faut trouver un thème qui nécessiterait la collaboration ou bien l'apportation de tous les Camerounais. C'est comme ça que je décide donc en 2017 de faire la première édition de la Grande Nuit du Cameroun. Ça, c'était, voilà, on peut dire quoi, en fusion avec la reine Nasekoba. Et en 2018, donc je décide de. D'évoluer seul. Voilà, en grosso modo. Voilà, en tout cas, bravo, n'est-ce pas, pour tous ces mouvements qui, pratiquement, on peut dire que vous avez pu faire le tour du monde et finalement, vous avez décidé de vous installer du côté de Madrid. Question de continuer à faire vibrer la culture de votre pays un peu partout dans le vieux continent. Alors, on va passer au vif du sujet qui consiste à parler de l'impact de ce Covid dans chacune ou dans chacun de nos activités. Alors, le banquier, on sait que vous êtes dans la restauration. Avant de revenir dans la culture, le restaurant, j'imagine, s'est fermé depuis bientôt un mois. Et qu'est-ce qu'on fait?
Déjà, c'est le restaurant, il est fermé déjà presque 2 mois déjà. Hein. Ça fait plus d'un mois déjà qu'il est fermé. Je ne travaille pas, je ne fais rien, je suis à la maison avec des enfants, nous sommes confinés. Alors, j'essaie un petit peu de passer mon temps. J'entretiens des enfants, je joue avec eux. Je passe le temps avec madame aussi. Parce que là, on ne peut rien faire. On ne peut qu'attendre jusqu'à ce que le gouvernement puisse nous redonner l'ordre. Vous passez du bon temps avec madame qui est à vos côtés. Ah oui. Ouais, on passe du bon temps, comme je disais. Donc, c'est ça. Nous sommes là en attente. En attente de ce que le gouvernement va nous dire, d'ouvrir le truc. Alors, nous sommes appelés à rester bras croisés, n'ayant rien à faire pour le moment, parce que nous sommes confinés. D'accord, absolument. Madame la banquière, racontez-nous un peu une journée type de la confinée que vous êtes. Ça se passe comment? En espagnol, hein? Patrick va essayer de nous traduire cela rapidement. Yo, algo, comment on dit, il y a quelque chose de malheur, bien. Je le passe très bien, c'est une mentir. Je le passe bien pour que. Avec quelque chose malheureux. Ok, On vous voit venir, hein? On vous voit venir. Pourquoi tu ris? Ok, simple, Non, j'ai rien dit, moi. c'est un cas ça, y no tenemos excusa de que tengo cita, tengo que ir a trabajar, tengo que viajar. Estamos con los niños, apechugados los ruidos todos juntos. Y mira cómo brillo. Así que estoy bien. Alors, Patrick, on peut avoir une petite explication? Ouais, comme elle a dit, à quelque chose, madame, bon, ça veut dire que le fait que le confinement lui a permis d'avoir son mari un peu plus proche. Donc, ensemble, avec les enfants, ils font des travaux tout quotidiens. Et même, elle a repris son éclat. Elle est toute joyeuse, toute contente. Ça se voit. En tout cas, bravo. Alors, Dominique, on sait vous êtes passionné de la culture et en même temps, vous êtes dans la gestion avec votre entreprise. Racontez-nous un tout petit peu la journée type du confiné que vous êtes. Oui, merci. Je vais revenir une seconde en arrière parce que tout à l'heure, j'ai cité un peu les événements où j'ai eu à collaborer. J'ai oublié un événement très important. Je n'en voulais pas que cette dame. Voilà. Alors, je vais également rendre hommage à une dame, Janine Yana, avec qui on a organisé la première édition de Miss Cameroun France. Voilà. Un coucou à toi, Janine Yana. On est également passé par l'organisation de Miss. Ben, il est la journée du confiné. Il faut dire, moi, je la vis à double titre, parce que je suis également salarié dans une entreprise de la place, pour la cité, Auchan La Défense. Donc, notre entreprise exerce dans le gros alimentaire et le non alimentaire. Donc, il faut dire que nos activités continuent. Nous n'avons pas connu le confinement. Donc, je continue à travailler. D'ailleurs, j'ai travaillé aujourd'hui. Parce qu'il faut dire que je suis un des responsables du non alimentaire de ce côté, textile. Donc, nos activités continuent. Je pars le matin, comme tous les jours, je vais travailler. Je m'occupe d'un service clientèle. Donc, je suis en contact avec les clients. Je m'occupe également de la gestion des multiples stocks. Donc là également, je suis en contact avec les fournisseurs. Donc, il faut dire que c'est très, très difficile parce qu'il faut respecter les mesures barrières. Il faut éviter d'être en contact direct avec nos interlocuteurs. Donc, ce qui n'est pas toujours évident. Il faut dire également que je dois mettre un masque pour me protéger et protéger également surtout les autres. Et de temps à autre, j'ai un gel hydroalcoolique que j'utilise pour ne pas contacter le virus. Donc c'est à ce titre que j'estime que c'est assez compliqué. Il faut prendre les transports en commun, que ce soit l'aller comme le retour, parce que c'est plus pratique. Et là, c'est également compliqué parce qu'on rencontre beaucoup de gens dans. En fait, ces derniers jours, on rencontre beaucoup de personnes dans les transports en commun. Mais tout en début, il faut dire que c'était très compliqué parce qu'on pouvait se retrouver dans une rame de métro à 2 personnes. Et ce n'était pas évident parce qu'on se regardait comme. Des Voilà, chaînes de faïence. comme dans une Des basse-cour. extraterrestres. Comme des extraterrestres. Donc, il y a une anecdote. Dès que le métro arrive à destination. Et on ne sait pas qui va appuyer le bouton de sortie le premier.
Donc, tout on se regarde, qui va avoir le courage de mettre ses doigts sur le bouton. Donc, c'est pour vous dire un peu la peur, La psychose, l'angoisse, hein, la grosse psychose. la grosse psychose qui a existé en ce moment. Et nous, étant les hommes de la deuxième ligne, comme on dit, on est obligé de mettre le Seigneur en avant, car c'est lui seul qui nous a vraiment protégés pendant, surtout les débuts de cette pandémie. Donc, une fois, je rentre à la maison, je fais un coucou à mes enfants et à mon chaman de pause à distance. Ensuite, je vais à la salle de bain, j'essaie rapidement de me doucher et je m'installe au canapé. J'avais ma place attitrée où il était donné les consignes qu'aucun enfant ne puisse s'asseoir à cette place parce que vu que j'étais en contact avec l'extérieur, donc pour suivre un petit peu les informations qui, ma foi, étaient très alarmantes. Donc, en gros, là, ma journée, voilà, je ne suis pas confiné à 100%. Donc, j'essaie un peu de me mettre à la place de ceux qui ne peuvent pas sortir tous les jours. Donc, je pense que c'est un peu trop dur pour eux. Mais il faut penser également que pour nous qui sortons, ce n'est pas évident. C'est également dû de nos côtés aussi. En tout cas, merci bien pour cette belle expérience. Alors, Patrick, la journée du confiné à la maison, on ne sort pas? Non, c'est très, 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 très difficile là chez nous. Vous savez, c'est depuis la semaine dernière déjà que l'État a relaxé un peu les mesures de confinement ici chez nous. Nous, même pour acheter du pain, franchement, il fallait avoir un motif très valable. Il Pour fallait aller avoir prendre un une baguette. motif très, très... Oui, même pour acheter, prendre une barre de pain, hein, il fallait vraiment qu'il te conseille même à la base d'acheter beaucoup, comme ça, demain, tu n'as plus besoin de sortir. Donc, c'était très difficile. Et depuis la semaine dernière, quand même, ils nous ont permis de sortir 1 heure par jour, faire un peu du sport ou marcher un peu. Tout à l'heure, même d'ailleurs, après le direct, je vais sortir marcher un peu. Parce que c'était vraiment très difficile, très, très difficile. Même dans les transports, nous d'ailleurs, tu n'avais pas le droit de partir du métro jusqu'à hors de ton quartier, par exemple, sans avoir un justificatif, une raison. D'accord. C'était vraiment pénible. Bon, en même temps, vous avez vu tout à l'heure, les enfants sont à la maison, ils vont nulle part. C'est pas du tout évident. C'est le confinement Dans la tout total. temps. Ben oui, ça, sérieusement, c'était vraiment très, très difficile à gérer. D'accord, Mais d'accord. après, bon. Mais après, on a fait avec, hein, et puis on s'en sort. Je crois que ce week-end, ça sera un peu terminé pour nous, je crois. D'accord. Alors, Dominique, vous qui êtes en plein cœur de Paris, et on a ce sentiment qu'à Paris, il y a comme une sorte de relâchement. Est-ce à dire que les choses sont au plus tempérées ou on crée un peu une seconde vague là? C'est vrai, Monsieur Hilaire. Vous savez, Paris, c'est la capitale de la France. Paris, c'est également une ville cosmopolite. On rencontre, il y a un fusionnement de population et de peuplement. Donc, ce qui rend la vie très, en même temps, rude et passionnante. Donc, je vois, même quand je suis au pavé de la Défense, je rencontre des familles qui se baladent, qui baladent leurs animaux. Donc, c'est la tentation parisienne. C'est ce qu'on appelle la tentation parisienne. C'est-à-dire, les gens n'ont pas ces habitudes de souvent respecter les consignes à la lettre. Donc, il faut dire, alors, d'un autre côté, ça rend beaucoup plus sensible la propagation de la maladie et ça complique également l'organisation. Donc, mais il faut toujours nous rappeler, et vous également, hommes de médias, faut pas arrêter de le sermonner à tous. Il faut que les gens restent chez eux. Il faut vraiment sortir quand on a vraiment quelque chose d'important à faire, quand il faut aller faire les courses alimentaires, aller à la pharmacie. Voilà. Mais en gros, il faut vraiment rester chez soi. C'est comme l'observe ces derniers temps avec l'arrivée du beau temps à Paris. On observe de plus en plus de personnes qui se baladent, qui sortent pour aller prendre de l'air pour les uns et peut-être pour les autres faire les courses, ce qui est tout à fait normal. Mais il ne faut pas oublier que la pandémie, elle est toujours là avec nous. Elle n'est pas partie. On vit avec, certes, mais il faut donc du coup faire attention. Toujours respecter les gestes barrières. Avoir sur soi, d'ailleurs, je vais vous le montrer, un des masques que j'ai y avoir, voilà. Donc, comme nous sommes en direct, je profite pour voilà, vous le montrer.
Voilà, Faut pas faire comme le président sud-africain qui n'a pas supporté. Hein. Non, voilà, il est là. Ouais, c'est un nouvel outil qu'on peut appliquer. Il n'y a que les voilà, dents. Il est là, mon masque. Voilà, il est important de rappeler à nos concitoyens qu'il est important de le mettre. Faut pas se relâcher. Et également important d'avoir un gel. Voilà, c'est sur ces gestes qui pourront nous sauver. Parce que la pandémie, elle est toujours là, elle est réelle. Et c'est nous tous ensemble qui allons la combattre pour que plus tard, nous essayons de retrouver nos vies normales, nos activités quotidiennes. Que même avant le confinement ou avant la pandémie, moi, dans mon restaurant, ceux qui ont déjà été là, je pense très bien, toi-même, Hilaire, tu peux en témoigner. Mon grand frère Patrick Moukala, qui est là, il peut aussi en témoigner. J'ai toujours eu un bon traitement avec tous mes clients. Alors, j'essaie toujours de mettre des petits trucs à la disposition des clients pour que chaque personne qui vient soit à l'aise. Déjà, avec la pandémie, je vais un petit peu plus améliorer, mettre beaucoup plus de gel, essayer un petit peu d'améliorer l'hygiène que j'ai toujours eu dans mon bar, pour que les clients qui viennent soient toujours à l'aise. Patrick, en ce qui concerne, vous qui êtes à Madrid, vous avez déjà anticipé avec des masques, on sait que vous sortez ne serait-ce pour aller prendre des baguettes. Est-ce que vous avez comme ça quand même déjà prévu des stocks de masques à vos côtés? Oui, on doit dire que, je ne sais pas, je pense que le direct est un peu interrompu. Je ne sais pas s'il faut continuer. Qu'est-ce qu'on fait? On continue. Vous parlez dans la parole. On est en direct. On continue, on est en direct. On est en direct. Permettez-moi donc. Je disais qu'effectivement, oui, les masques commencent à être obligatoires à partir de lundi, surtout dans les transports en commun. C'est-à-dire qu'avant cette date, déjà dans les transports en commun, la police et les agents municipaux distribuaient les masques pour ceux qui n'en avaient pas. Mais là, maintenant, ça devient une obligation à partir de lundi, là. Donc, voilà, que ça me plaise, comme ça me plaise pas, voilà, je vais devoir les porter et également distribuer à tous ceux qui sont autour de moi pour ceux qui n'ont peut-être pas les possibilités d'en avoir. D'accord. Alors, on va rapidement entrer dans le vif du sujet avant de passer l'antenne à la régie pour voir s'il y a des contributions ou des questions. Le 14 mars dernier, on s'est retrouvé à Nice et on a rapidement vu qu'à 20h, on a dû arrêter un événement qui était prévu ce soir la même. C'est-à-dire qu'on est plus ou moins tous concernés, que ce soit Patrick Moukala qui est dans l'événementiel et qui organise en ce moment, qui se prépare chaque année à rassembler les Camerounais autour de son concept de la nuit du Cameroun de Madrid, que ce soit Dominique Dior du Domino Prod qui éventuellement sait bien ce que c'est. Alors, vous organisez un événement comme c'est le cas pour vous. Au jour d'aujourd'hui, on est peut-être dans des conditions. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on monte un projet 3, 4, 5, 6 mois après? On se retrouve au pied du mur parce qu'il faut tout arrêter. Dominique Dion. Oui, mais il faut d'abord noter que ce que nous avons vécu est inédit. C'est inédit dans l'histoire. Disons pas l'histoire du monde, mais l'histoire, on va se limiter à la culture, dans l'histoire du monde culturel. Ce que nous avons vécu et ce que nous vivons également est inédit. Personne ne pouvait penser à cela il y a quelques mois auparavant. Donc ça a surpris tout le monde. On ne s'y attendait pas. Dès le mois de février, on commençait à entendre certaines rumeurs qu'il se passait des choses du côté de la Chine. Et on se disait que non, nous sommes très loin de la Chine, nous sommes en France. Ou alors en Espagne, pour ceux qui de l'Espagne, le couple, le banquier et Patrick, que ça ne devait pas nous arriver, que c'était des choses des Chinois. Voilà. Donc nous avons continué à garder nos programmations et en fonction des dates. Donc ce qui est arrivé, pour rentrer dans ta question, à notre amie et sœur Suzanne, la Zurienne NKS, comme vous l'appelez, ça a été un choc brutal, parce que nous savons tous ce que c'est qu'il faut comme logistique
pour organiser une soirée. Donc, moi, j'ai suivi ça à distance parce que malheureusement, ce week-end, j'étais au front parce que je n'ai pas eu la permission. Donc, j'étais en plein avec mes clients, j'étais au travail. Mais je suivais ça de près, j'étais avec elle de tout cœur. Donc, ça a été un véritable choc, inattendu, brusque. Et j'imagine pas ce qu'elle a dû endurer et je ne souhaite cela à aucun promoteur. Donc, j'espère seulement que nous allons tirer des leçons de ce qui se passe et peut-être nous serons mieux préparés, mieux outillés à l'avenir. Pour que même si ce genre d'événement arrive, que nous puissions assurer nos arrières. Comme on dit au pays, on assure nos arrières. Donc je l'espère seulement. Alors, le couple banquier, on a fait des courses, on se dit, le week-end approche, le frigo est plein, le congélateur est plein, et subitement, il faut fermer le restaurant. Qu'est-ce qu'on fait par la suite? Oui, ça, c'est un petit peu difficile là, à répondre à cette question-là, parce que là, je ne sais pas comment te dire exactement. Imaginez vous-même que vous allez faire des courses. Le frigo est plein, comme vous le dites vous-même. Et pourquoi on vous coupe l'électricité chez vous? Et vous restez pendant une semaine, il n'y a pas le courant. Je ne pas tout le même, je mange tout une fois. Voilà donc ce qui s'est passé avec moi. Parce que j'ai attendu 2 jours, j'ai attendu 3 jours, j'ai attendu 4 jours pour voir. Dans l'espoir. Oui. Parce que je ne m'attendais pas que ça allait durer longtemps. Alors, quand ils nous ont demandé de se confiner, bon, fermer le restaurant, vous n'allez pas ouvrir demain. Après. Mais moi, j'ai attendu 3 jours, 4 jours, en espérant qu'ils vont donner l'ordre d'aller travailler. Mais ils n'ont pas donné l'ordre, ils n'ont rien dit. Bon, moi, je suis père de 5 enfants, j'ai une grande famille ici en Espagne, ici chez moi. Alors, je suis allé au niveau de la police locale, j'ai demandé l'autorisation qu'ils me permettent ne serait-ce que d'entrer dans mon resto et récupérer la nourriture qui était déjà faite pour que mes enfants puissent manger. Et partager aux gens qui étaient dans le besoin aussi. Parce que rien que mes enfants n'allaient pas piner tout ce que j'avais dans le truc, les poissons, la viande. Donc c'était beaucoup de choses que j'ai pris pour partager aux gens aussi. C'est ça. Imaginez-vous, moi, quand je vous ai donné l'exemple, on vous coupe l'électricité pendant une semaine. Sachant que tu n'auras plus le courant pendant une semaine, la nourriture va se gâter au frigo. Absolument. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé avec moi. Moi, j'ai pris ce qu'il fallait amener chez moi, j'ai amené chez moi, ce qu'il fallait donner aux gens. Pour qu'ils puissent s'en servir, je leur ai donné. On sait aussi par ailleurs que vous avez quand même au moins 1 à 2 employés. Dans ce cas, vos rapports avec vos employés, ça se passe comment? Est-ce que eux, ils vont continuer à percevoir un salaire ou, comme le dit bien l'État ici, on les met en congé, je ne sais pas trop comment on appelle ça, et ils perçoivent un dû. Oui, parlant employé, parlant société. Donc, quand on nous a envoyé, parce que nous étions déjà à la quinzaine du mois, pendant qu'au moment où nous avions reçu l'ordre du confinement, de fermer le restaurant, nous étions déjà à la quinzaine. Alors, en tant que patron, moi je leur ai dit, voilà, tout le mois était payé déjà. Moi je leur ai payé tout le mois. Mais ils ont été confinés à la quinzaine du mois. Mais moi, je les ai fait un versement d'un mois. Alors, de ce moment-là maintenant, jusqu'à la nouvelle ordre, c'est là où ils n'auront plus de salaire. Attends, je sais. À ce moment, ils n'auront plus de salaire venant de moi. D'accord. Alors, chaque personne ira maintenant, chez vous, on l'appelle Pôle emploi, chez nous, on l'appelle l'ambitieux. Effectivement, oui. C'est ça, monsieur Patrick. Effectivement, c'est ça. Exactement. Voilà, donc c'est ça. Patrick, on est dans un cas concret comme le vôtre, vous êtes organisateur d'événements, on voit bien que vous avez poussé un tout petit peu votre événement qui était prévu au mois de juillet. Mais ça n'a pas dû être facile, non, d'en arriver là, d'autant plus que c'est un rendez-vous qui est connu d'avance pendant des mois et des années d'ailleurs. Oui, monsieur Sopi, avant d'arriver à la question que vous posez, j'aimerais d'abord ici apporter tout mon soutien et tous mes encouragements à la Zuren, parce que je ne souhaite pas être à sa place. Mais comme je dis, il est important que nous sachions que le monde évolue et que nous cessons de faire de l'informel.
je vais profiter un peu pour parler de cette association des promoteurs et producteurs culturels de la diaspora camerounaise, le P30, qui effectivement a été créée dans le souci de mettre en sécurité effectivement nos activités que nous faisons et même pour nous-mêmes qui mettons les investissements. Donc, l'un des soucis majeurs du P30, c'est que tous ses membres se sentent en sécurité. Parce qu'il y a, on va souscrire une assurance qui permettrait, et même, comme l'a évoqué la dernière fois mon confrère et collègue de Ninja, à une assurance même annulation. C'est-à-dire qu'effectivement, au-delà du fait qu'il peut avoir un fracas dans un événement, il y aura une autre partie de l'annulation et tout ce qui va avec, pour que le promoteur qui se retrouve dans la même situation de la Zurène ne puisse pas perdre dans la totalité. Voilà, maintenant pour répondre à la question de Madrid, j'espère, je croise les doigts comme vous et moi également, que cet événement pourra se dérouler dans les bonnes conditions. Parce qu'il y a toujours cette petite crainte que peut-être on va dire, ok, au lieu de 1000 places, il faut seulement mettre 400 places, par exemple, pour respecter la distance. Donc, je ne sais pas encore quel sera l'aboutissement final. Toujours est-il que ça fait mal, les dépenses sont déjà mises en jeu. Bon, ici, nous avons valorisé beaucoup plus l'aspect sanitaire, l'aspect de l'être humain, avant les enjeux économiques, pour que tous ceux qui viennent, vraiment viennent dans des conditions, même psychologiquement bien portantes, et qu'ils puissent s'amuser dans les bonnes conditions. Parce qu'éventuellement, l'année prochaine, nous en ferons toujours le 10 juillet 2021. C'est un événement normalement qui se fait au mois de juillet, qui exceptionnellement cette année par rapport au Covid a été reporté au 31 octobre, effectivement. En tout cas, merci pour cette belle contribution. On va revenir un peu sur le P30 avec Dominique Ndior, mais avant de continuer, il est 19h. À peu près. Alors, GPS, au niveau de la régie, est-ce qu'on a quelques contributions ou quelques questions, n'est-ce pas, de nos amis qui nous suivent? Oui, il y a des personnes qui sont en train de nous saluer, qui sont en train de dire, voilà, les invités étaient très bien. Il y a Corinne Tonnier qui nous dit, bravo monsieur, Dieu vous le rendra. Il y a Mireille Bellessim qui dit, comment il s'organise pour faire une soirée. Il y a la Dexter. Bon, la Dexter Sissi, qui est toujours connectée à chaque fois, qui nous passe le bonsoir. Mireille Vincima, qui nous dit bon choix des invités. Hilaire. La Zurène, qui nous dit mon cœur boue. Hilaire. Bon, les gens réagissaient à chaque fois qu'on mettait les commandes, que l'émission était avancée. Donc, il y a Mimi Kwepo qui est connectée, qui nous passe le bonsoir depuis le Kilimanjaro Lounge, qui est à New Jersey, qui est situé à New Jersey, qui est connectée. Il y a Nina Baudechaud qui est connecté, qui nous dit bonsoir. Il y a ma chérie Françoise Blondine qui est connectée, qui nous dit bonsoir à Pat et à Dominique, parce que ce sont les personnes qu'on ne voit pas souvent trop constamment, qui sont là aujourd'hui, qui sont nos invités. Il y a Guy Alessandre Mambo, voilà, qui nous passe le bonsoir, plus particulièrement à Dominique Njok. Il y a Angèle Bio qui dit l'idée est très belle, les gars. L'idée est très bonne, les gars. Voilà, il y a Corinne qui revient sur ce que Dominique Dior a dit tout à l'heure en disant l'organisation de Miss Cameroun. C'était Miss Cameroun International pour rectifier ce que l'a dit de Dominique Dior tout à l'heure. Voilà, il y a Bellessima qui revient en disant mes beautés chérie, très belle initiative cette émission Hilaire. Ça nous permet de connaître mieux les différents, savoir faire des invités qui nous permet de vivre les beaux moments ici à la diaspora. Voilà, donc il y a beaucoup de messages. Angèle Bu qui dit mes encouragements au couple banquier de Bilbao, courage à vous. Voilà, ce sont un peu quelques commentaires qu'on a entré dessus. Il y a aussi celui qu'on va recevoir demain, M. Boum, qui nous passe le bonsoir depuis Metz, qui nous regarde. Voilà, c'est un peu ça ce qui se passe actuellement sur la toile, M. Gillespie. Sans oublier Jean-Robin Gamo aussi, qui est sûrement connecté, ainsi que Tessa. Puis du Cameroun, puis qui sont nos futurs invités, parce qu'ils veulent un peu voir à quoi ça ressemble. Alors, on va revenir un peu sur le P30 qui semble être arrêté et qui va nous faire l'assurance. Alors, Dominique, on comprend bien que vous ne concernez pas le P30, ça ne vous parle pas, semble-t-il.
Vous n'êtes pas affilié, pourquoi? Ah, eh bien, Hilaire, je parlerai en général, hein, je parlerai en général, parce que je pense qu'il n'y a pas que le P30, bien que mon ami et frère Patrick Moukala soit ici pour présenter les intérêts du P30. J'ai eu à faire un constat d'ordre général au vu de mes multiples expériences. Et je suis arrivé, vous savez, maintenant, nous, les Camerounais, nous sommes très champions dans le bavardage. Mais nous ne savons pas proposer des choses. Et moi, je suis dans une optique de proposition. C'est-à-dire, les diagnostics sont déjà établis. Nous connaissons bien tous les maux qui minent nos sociétés, qui minent nos organisations. Nous connaissons bien les difficultés qui existent pour organiser un événement, les coups bas qui sont, les conflits d'intérêts, etc., etc. Ça, c'est le diagnostic qui a été posé et très longuement posé de cela. Alors, nous sommes dans un stade de proposition et pas de critique. Parce que même si on sait que la critique, elle est bien aisée et l'art est difficile, mais il faut mieux proposer. Il faut surtout proposer, surtout nous, les acteurs culturels, parce que nous vivons cela de l'intérieur. Donc, il ne s'agit pas ici de fouetter les uns ou les autres, mais il s'agit d'avancer. Alors, mon constat, il est clair. Le rassemblement des personnes dans la diaspora a toujours été un échec. Il ne faut pas se le leurrer. À chaque fois qu'il y a eu une tentative de rassembler 2, 3, 4 personnes, ça n'aboutit pas, ou souvent ça aboutit très difficilement. Par conséquent, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ces échecs du passé n'arrivent plus dans le présent? Donc, Domino Prod, fort de son expérience, n'est plus en mesure de s'associer dans un quelconque groupe où on parle individu, où on parle personne. Domino Prod s'associe lorsqu'on parle entité. On parle entité morale, c'est-à-dire une association qui se réunit. Si moi, Dominique Dior, de Domino Prod, demain je dois m'organiser, je me réunis, je me dis, tiens, voilà, Patrick Moukala, il a une association, il a son concept. GPS, il a une association, il a son concept. Il est SOPI, il a un concept, il a une association. Le banquier du pape, qui est un de nos soutiens forts, ne sera peut-être pas impliqué, mais c'est quelqu'un qui nous soutient. Donc, nous, les entités morales, nous nous réunissons, on se dit, bon, voilà, SOPI Prod vient, Domino Prod, il arrive, l'association est légalisée. En ce moment, nous parlons de mutualiser nos efforts, parce que Domino Prod seul, il est fort. SOPI Prod seul, il est fort. Mais ensemble, qu'est-ce que Domino Prod peut faire? Ensemble, qu'est-ce que GPS TV peut faire? Voilà le constat. Parce que si Dominique Dior se met en avant, on va dire, pourquoi c'est Dominique Dior? Pourquoi c'est Hilaire Sopi? Pourquoi c'est le banquier? Le banquier vient d'arriver en Espagne. Pourquoi c'est lui? Etc. On ne va plus en finir. Alors, pour éviter tout cela, il est important et intéressant de s'unir en association légalisée. Domino Prod, une association légalisée, se réunit avec Sopi Prod, association légalisée déclarée. Nous constituons un statut et un but commun. Si tu n'as pas une association légalisée, si tu n'as pas un statut légalisé et que tu organises des soirées, tu as un promoteur lambda, mais tu n'as pas un statut derrière ta personne. Je ne peux pas me réunir dans ces conditions parce qu'il y a le piège de l'ego qui nous guette à chaque fois que nous nous réunissons. Nous nous disons, bon voilà, Sopi Prod se réunit, Domino Prod se réunit, Sopi Prod a une équipe derrière lui, il a des personnes derrière lui, Domino Prod, une association, a des personnes derrière lui. Je peux réunir toutes les associations de l'Europe, tenir une assemblée générale à Paris. Domino Prod n'est pas obligé physiquement de se déplacer, parce que quand on parle d'association, on parle des membres. Domino Prod va dire, bon voilà, l'assemblée générale se réunit à Paris, mais moi étant à Bruxelles, moi étant au Canada, je ne pourrais pas être là, je délègue le membre de Domino Prod qui est dans cette ville représenter l'association. Ça évitera quoi? Ça évitera les problèmes d'absence. On dira, pourquoi Dominique Dior n'a pas été à la réunion à Madrid? Pourquoi Dominique n'a pas été? Non, parce que Domino Prod étant une association, et nous faisons tout pour avoir les membres à travers l'Europe. On se dit, bon voilà, à Madrid, voilà telle personne qui représente Domino Prod. Le jour où il y a une assemblée, une réunion de ce groupement que nous allons former, je ne suis pas obligé d'être physiquement à Madrid,
mais mon membre de l'association de Melopour sera à Madrid pour me représenter. Ça évitera le problème. Oui, pourquoi je suis venu à la réunion tel jour? Oui, tu n'es pas venu à tel jour, etc., etc. Donc voilà les solutions concrètes dans lesquelles nous pouvons suivre ces gens de carnaval. Maintenant, il est temps qu'on s'organise en syndicat. Parce que c'est ça un syndicat. C'est une, ça dit, on appelle ça, c'est une confédération d'associations, d'accord, qui se regroupe au sein d'un grand bloc pour représenter les intérêts des membres de ces associations et non des individus pris à part. Donc voilà le constat et voilà mes propositions. Non mais, on voit bien quand même au sein du P30, ce que vous dites, c'est que dans le P30, on a quand même des entités associatives, ce n'est pas forcément des individus qui semblent vouloir se mettre ensemble. En tout cas, Patrick, je pense que vous êtes mieux placé pour répondre aux inquiétudes de Domino Prod. Oui, monsieur, je dirais que ce que dit mon collègue et mon frère Dominique, c'est la même chose, à mon avis. Le P30 regroupe une association des promoteurs. Qui dit promoteur est une entité, est comme une entreprise. À la seule nuance que peut être probablement parmi certains, il y a d'autres qui n'ont pas encore légalisé leur activité et que, effectivement, le P30 a la responsabilité de rendre ces personnes légales. Je m'explique. Le P30 est une association à caractère international. Le P30 est régi selon la loi française, la loi, je crois, 1901. Donc, qui veut que tous les membres du P30 soient protégés par cette association? C'est pour ça que je parle ici des assurances. Ça veut dire que quand un membre, par exemple moi qui suis à Madrid, je fais un événement et puis j'ai ce malheur qu'on vient de me demander d'annuler, l'assurance qu'a pris le P30 me protège, même sur le point de vue, je vais dire, légal, juridique. S'il faille engager des procédures juridiques contre moi, peut-être mes intérêts, alors que je suis membre du P30, je suis protégé. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je dirais effectivement, comme a dit M. Domi, vous savez, dans notre communauté, nous sommes tous grands et tous des dieux, s'il faut dire ça comme ça. Et c'est très, très difficile de réunir les gens, les personnalités comme nous sommes tous. C'est même pour ça que je dirais que le P30, c'est une réussite, parce que ça fait plus d'un an que le P30 existe. Malgré tout, on a pu contrôler nos égos et nous sommes dans le P30 et bientôt le P30 sera déclaré association légale. Donc, je pense qu'à ce niveau, tous les membres du P30, tous ceux qui sont dans le P30 ont accepté travailler et d'unir main dans la main, effectivement, pour élever, parce que je pense que c'est d'abord pour le Cameroun, élever la culture du Cameroun. Donc, je dirais simplement à mon frère Dominique, qu'il serait mieux qu'il se rapproche du P30 et qu'il ait des informations un peu plus précises afin de jauger si ça l'intéresse ou pas. Ça fait quand même un an que le P30 a été mis sur pied. À supposer un instant que la Zurène était membre, je ne connais pas son statut auprès de vous, qu'est-ce que le P30 lui aurait proposé dans un cas de figure comme ce qu'elle a vécu, par exemple? Déjà, vous savez, le P30 regorge des promoteurs d'une très grande expérience. Tous nos membres qui prétendent faire un événement et qui, par humilité, demandent quelle est la conduite à tenir, je pense qu'avant même qu'il y ait un fiasco, avant même qu'il y ait on ne peut pas parler du fiasco pour son cas. On ne peut pas parler du fiasco pour son cas. Je parle en général. Je ne vais pas m'attarder sur un cas précis. Mais dans le général dont je parle, son cas est inclus. Je suis en train de dire, quand on est membre du P30, nous avons des experts dans la communication dans le P30. Nous avons des experts dans le management dans le P30. Nous avons des experts dans l'infographie dans le P30. Nous avons des experts administratifs dans le P30. Ce qui fait que, quel que soit l'événement que vous avez, à partir du moment où vous commencez à profiler votre événement, nous,
membres du P30, nous vous donnons déjà une idée, notre contribution. C'est pour ça que vous remarquerez souvent que le P30 a des sorties collectives. Quand il s'agit, par exemple, de distribuer, de partager, donc, on n'a pas un problème. Je veux dire, le problème que vous posez de la Zurène, peut-être aurait existé, mais sûrement avec une gravité réduite. D'accord, en tout cas, on va revenir là-dessus. GPS, au niveau de la régie, y a-t-il comme ça quelques interpellations, quelques questions ou des personnes Il y a beaucoup de personnes qui sont en train de réagir aussi en même temps par rapport aux propos de Dominique Jean et actuellement aux propos de Patrick Moukala. Il y a comme ça, je vais prendre ça comme ça, commentaire de Coco ma chérie, rendez-vous intéressant. Le débat ici est très intéressant pour s'inscrire. Mon frère, je suis la preuve, j'ai été victime de ces trois points de suspension, donc je ne citerai pas les noms. Cite Blondine, ma chérie. Mireille Mélessima qui dit c'est très pertinent ce que tu dis, Dominique, vraiment. Après, il y a Nina qui vient, Nina Baudechaud qui dit voilà, les moutons marchent ensemble, les lions marchent seuls. Bon, je ne sais pas dans quoi, pourquoi vous voulez réagir. Il y a Corinne Tonnier qui nous parle en disant pas mal cette idée de fédération que proposait tout à l'heure Dominique Ndjor. Après, on a encore d'autres commentaires en bas. Je vais aller là où. Nina qui vient en disant l'assurance doit être complétée par une bonne comptabilité avec les provisions pour les risques en charge. Mensualité pour faire face à ce genre de situations comme le COVID et autres. Et ma chérie revient en disant qu'on travaille sans association. Qui dit association dit organisme mafieux. Qui dit mafieux dit beaucoup de choses. Alors, il y a beaucoup de interprétations qui sont en train de tomber comme ça. Il y a beaucoup de messages. Alors, si j'ai lu, on va passer presque toute la soirée. Voilà, une réaction par rapport à tout ça. Dominique, tu as dit une réaction par rapport à on tout ça. On peut travailler sans association autant. Donc, c'est toujours Blondine qui vient en disant qu'on peut travailler sans association. Il y a Amanda qui vient de se connecter. Il y en a qui se lèvent un matin, ils organisent leur soirée sans avoir besoin d'être dans une association. Bon, il y a quelqu'un, Amanda qui vient de se connecter, qui demande qu'est-ce que Monsieur Dominique Jo veut organiser. Je ne sais pas qu'est-ce que. Non. Bon, il prend un peu. Oui. Il prend de coups parce qu'en fait, Dominique. Sylvine Dan qui vient de se connecter, qui nous dit coucou. Il a déjà organisé. Sylvine Dan qui nous salue depuis Atlanta, qui vient de se connecter. Une réaction avant qu'on ne continue La réaction, elle est simple. Hein. Oh, j'épouse l'idée de Patrick, et que je salue d'ailleurs parce qu'il faut avoir le courage d'essayer de nous réunir. Et je vois qu'il est dans cette lancée. C'est un monsieur qui aime bien, il aime réunir. Je le dis souvent, hein. C'est quelqu'un qui ne peut pas vivre sans les autres. Donc il a cette qualité-là que moi, particulièrement, j'encourage. Et je rappelle également que j'ai été sollicité. Hein. J'ai été sollicité par ces associations, pas que le PIPSON, il y en a d'autres, pour que je puisse être intégré, mais j'ai posé mes conditions. Parce que après tant d'expérience, c'est bien. Oui, voilà, c'est souvent c'est beaucoup mieux de rechercher la qualité pour la quantité. Parce que quand on va rechercher la quantité, on ne va rien faire avec la quantité. Et c'est beau mieux peut-être être 5, 6, 7, 8, 9, 10 que d'être 30, 40, 50. Parce qu'on peut faire le mettant à 10. Et ça, c'est ma philosophie à moi. C'est la qualité qui compte, ce n'est pas la quantité. Une fois que les bases sont posées, on a posé la fondation, comme on dit. Tu as une association légalisée, oui. Tu n'en es pas encore, bon, vas-y, fais le processus pour la légaliser. Elle ne coûte rien, légaliser une association, elle ne coûte rien du tout. Absolument, c'est vrai. Il faut juste utiliser les statuts, et chercher son couloir, comme on dit, son couloir d'activité. Une fois que son couloir d'activité est sélectionné, on régit les statuts, on les dépose, on les enregistre et on fait une programmation, c'est-à-dire président, secrétaire, etc., etc. C'est vraiment la chose la plus simple à faire. Une fois qu'on a fait cela, on a ce qu'on appelle, on appelle ça le répertoire national des associations. C'est un numéro unique, c'est le RNA. Ça nous permet éventuellement d'être, pour le cas de la France, aujourd'hui, aidés. Parce que tous ceux qui ont une association culturelle, je parle du cas de Paris, parce que moi je suis à Paris, tous ceux qui sont une association culturelle légalisée, répertoriée dans le numéro RNA, c'est-à-dire que le répertoire national des associations, en ce moment-ci, ils ont reçu des formulaires
dans leur boîte à lettres, pour les remplir, pour bénéficier d'une aide de la mairie de Paris. La mairie de Paris et le conseil général offrent des aides aux associations répertoriées. Donc ça ne nous coûte rien du tout, au contraire, ça nous protège. Donc voilà mon point de vue à ce sujet. Alors Patrick, une intervention avant qu'on ne bascule sur le banquier, parce que j'ai une question au banquier concernant son entreprise, en tant que chef d'entreprise. Effectivement, je vais toujours abonder dans le sens du P30. Comme j'ai dit, c'est en définition, c'est l'association des promoteurs et producteurs culturels à la diaspora camerounaise. Je vais vous donner brièvement quand même quelques membres qui appartiennent à cette association, parce que je pense quand même que dans n'importe quel milieu où vous êtes, dans n'importe quel milieu auquel vous appartenez, il y a des noms qui sont forts en termes de crédibilité. Et si ces noms, ces personnes se sont assises ensemble, ont déposé les égaux à côté pour pouvoir créer une association dans le but de fortifier déjà cette activité culturelle que nous développons à l'étranger, je crois que c'est très bien. Parce qu'au sein de nous, vous avez des personnes comme par exemple, je dirais quoi, Willy Miss de Bruxelles, vous avez Mimi Volpone de Bruxelles, Mimi Matisse du Luxembourg, vous avez Philippe Jomo de Montréal, vous avez Michel Bétienne de Oklahoma, aux États-Unis, vous avez Sylvain Dan de Atlanta, vous avez Ruge-Joseph Benguet de Paris, Christine Diquet de Paris, Céline de Dieu de Paris, vous avez Pato Carmen de Paris, Maître Jean-Long Gamon, vous avez Guy Métan, vous avez Christian Dieba, je sais pas, Maman Honorine. Vous comprenez que je pense, à mon avis, que c'est la bonne crème de la diaspora camerounaise qui est unie dans le souci d'apporter un plus à notre culture. D'ailleurs, je vais profiter de l'occasion pour vous annoncer que le P31 direct, qui est prévu ce dimanche à 17h sur la page P30, nous avons un direct où nous parlerons à peu près de nos activités. Pour ceux qui sont encore hésitants, pour ceux qui ont peut-être des problématiques, pour ceux qui pensent qu'ils peuvent apporter au P30, donc, dimanche à 17h, écoutez le direct, soyez connectés, effectivement, vous posez des questions, nous allons répondre. Vous avez aussi également voilà. Franck Ebilin, excusez-moi. Voilà. Mais il est, excuse-moi de couper la parole. La caméra est bloquée, il est. Hilaire. Oui, vas-y, je t'écoute. Ouais. Il est bloqué. Dominique Dior, je t'écoute. Ouais, vas-y. Voilà, c'est justement cela que je ne suis pas d'accord avec mon ami Moukala. Je ne suis pas d'accord dans ses conceptions. Je ne suis pas d'accord dans ses conceptions de nom. Dominique George, les noms, c'est-à-dire, nous, les noms, les gens n'ont rien à foutre des noms. Il faut qu'on le sache. Parce qu'on a beaucoup fonctionné comme ça par le passé. C'est-à-dire que les noms, mais ça nous a ramené nulle part. Donc, moi, je fouette à bloquer cette idée de non. Dominique Dior, c'est Dominique Dior. Quand il se réunit dans une association, il n'est plus Dominique Dior, il est Domino Prod. Oui, on ne parle plus de nom, il faut qu'on parle d'entité. Pour faire avancer notre culture, arrêtons le culte des noms. Parce que les noms entraînent à l'ego et ça ne marche pas. C'est-à-dire que le verdict, il est clair. Arrêtons les noms. Les gens, ils s'en foutent de nos noms. Nous savons ce que nous représentons. Et nous le représentons très bien parce que nous savons organiser des choses. Nous sommes des organisateurs. Nous savons comment organiser une soirée. Nous savons comment organiser un concert. Nous avons des carnets d'adresses. Nous avons des personnes qui nous suivent, qui nous aiment, qui se déplacent dans nos événements, qui se déplacent, qui aiment ce que nous faisons parce que nous faisons dans le divertissement culturel. D'accord? Donc, mettons nos égos de côté. Renonçons-nous en entité morale. Si tu, je ne veux pas citer les noms dont mon cher frère a cité. Oui, mais Dominique, on ne va pas revenir, revenir là-dessus. Je vous comprends très bien. Hein. On ne va pas non plus revenir, qu'on va se réunir et tout. On va essayer d'avancer, mais qu'à cela ne tienne, je pense qu'on a tous compris ce que Moukala voulait par là dire. C'est vrai. On a un problème de caméra avec toi, Hilaire. Ta caméra est bloquée là. Ah oui, ma caméra, c'est vrai. Sûrement, tu as dû avoir un coup de fil pendant que tu as fait ton réglage. Oui, j'ai eu un coup de fil. Je pense qu'il faut que tu me rappelles là. Je t'ai introduit dans la conversation. Avant de m'introduire, je voudrais, avant
que tu m'introduises, revenir un peu sur le coup bancaire. On va revenir un peu après. Alors, le banquier, on sait par ailleurs que vous êtes un chef d'entreprise. Vous venez aussi de mettre sur pied cette entité d'import-export du côté de l'Afrique. Parlons-en un tout petit peu. Le temps, n'est-ce pas, qu'on revienne sur notre activité en tant que tel. Oui, il est. Parlons de la société import-export. Comme vous l'avez filmé vous-même la fois dernière, donc j'essaie un petit peu de. Je vais à peine de me lancer dans ça. Et je suis déjà en train de rassembler la marchandise qui va partir au Cameroun. J'ai pris les commandes des gens déjà. Et j'ai déjà tout mis en place. Je viens aussi en même temps en aide à mes compatriotes qui sont ici, qui ont la marchandise pour essayer d'envoyer au Cameroun à leur famille. Alors, je leur viens en aide, je porte les marchandises pour essayer de leur remettre à leur famille au niveau du Cameroun. Et en même temps, à mon retour du Cameroun, je viens aussi avec les vivres du Cameroun pour ici, pour essayer un petit peu d'alimenter le marché basque que nous avions ici. Parce que déjà, j'ai essayé de faire les tours dans les villes d'ici. Je n'ai pas trouvé quelqu'un qui a cette idée que moi j'ai apportée aujourd'hui. Alors, beaucoup de gens qui ont des magasins ici se rendaient à Paris pour faire des achats. Et voilà, je prie vraiment Dieu énormément pour qu'il me vienne en aide et que cette entreprise puisse marcher très, très bien comme je pense. Parce que j'ai mis beaucoup d'argent en jeu dans cette entreprise. Et je prie énormément Dieu pour que ça marche et que tout aille bien comme je pense. Déjà, j'ai commencé. J'attends seulement voir maintenant ce que ça va produire. D'accord. En tout cas, bravo et félicitations. GPS, est-ce qu'on m'écoute parfaitement? On t'écoute très bien. Tout est parfait. Il est sorti. Voilà. Alors, on va revenir sur la vie de l'artiste. On sait que Dominique, Patrick, nous sommes tous les amoureux, n'est-ce pas, de la chose culturelle. Naturellement, on emploie les artistes. Aujourd'hui, tout est à l'arrêt. Plus de production, plus de spectacles. La vie de l'artiste. Bien que nous ne le soyons pas, on n'a peut-être pas pour l'instant sur le plateau. Comment vit l'artiste au jour d'aujourd'hui, Dominique? Ben, écoute, l'artiste de nos jours, il vit, il est comme nous. Hein. Déjà qu'il est confiné comme nous, il n'y a pas de spectacle, pas de concert, pas de soirée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il est chez lui, il est en famille, pour ceux qui en ont. Il est seul, pour d'autres qui n'en ont pas. Donc, il est confiné. Et je salue... Profiter pour ta question pour saluer certains de nos artistes qui ont pris le soin de nous édifier, de nous tenir compagnie pendant ce confinement. Parce que j'observe d'ici et là dans les réseaux sociaux qu'il y a des concerts live. Il y a l'autre jour mon ami Sergio Polo qui nous a gratifié de sa belle voix. Dernièrement, il y avait Jacques Clé aussi. Les Didouki aussi, hein. Oui, les DJ, okay, on va en parler, on reste avec les artistes. Donc, il y a aussi Petit Pays qui a fait un très grand concert live Facebook de la nouveauté. Voilà, ça nous entretient pendant le confinement. Donc, ils sont confinés. Et si je prends le cas de celui que je suis en ce moment, Jacques Quignet, on avait une programmation de dates jusqu'au mois de décembre. On avait une série de dates jusqu'au mois de décembre. Bon, pour l'instant, c'est annulé. D'autres sont reportés. Donc, c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc, nous essayons de trouver des solutions à travers ces conseils que nous donnons. C'est-à-dire, eux-mêmes, artistes, ils doivent saisir ce moment que nous traversons tous de se remettre en question. Parce que là, il faut plus. Nous ne devons plus jouer sur les mots. Il faut se remettre en question. Il faut que le monde culturel se remettre en question. Il faut qu'on change de modèle parce que la pandémie, elle est là. Demain, nous ne savons pas ce qui pourra arriver demain. Peut-être une autre, on ne sait pas. Donc, c'est l'occasion ici pour qu'on change de modèle, pour que l'artiste change de modèle, pour que l'artiste se constitue également, pour que l'artiste ait un statut. Il faut que l'artiste développe des mécanismes qui vont lui permettre de continuer à vivre malgré le confinement, malgré l'arrêt des spectacles. C'est-à-dire, il faut inscrire ses œuvres à la SACEM, c'est très important pour les artistes qui résident en Europe. Il faut s'inscrire à la SACEM, il faut déclarer ses œuvres à la SACEM, il faut déclarer son statut
intermittent de spectacle. C'est très important. Il faut que nos artistes camerounais soient des intermittents de spectacle. C'est vrai, d'autres vont me dire, oui Dominique, si on déclare, après il y aura les impôts. Nous le savons tous. Mais il faut déclarer. Mais nous tous, nous payons les impôts d'une manière ou d'une autre. Exactement. À un moment donné, on sera obligé de payer les impôts. Lorsqu'on est déclaré intermittent de spectacle, on déclare ces spectacles. On exige de nos promoteurs de les déclarer, eux les artistes, parce que c'est le promoteur qui déclare l'artiste comme salarié. Donc nous, en amont, nous devons faire nos démarches en tant que promoteurs culturels, de s'assurer que nous avons des entités légalisées. Par la suite, nous allons embaucher ces artistes. C'est ce que je faisais en Italie. En France, il y a ce qu'on appelle la tolérance administrative qui nous a tous endormis et on s'est floué dans le système. Maintenant, nous sommes bloqués. Il n'y a pas de spectacle, il n'y a pas de revenus. Alors, en tout cas, je vais rapidement lire la contribution de Guy Métan qui dit que le problème est au-delà de l'entité morale, mais plutôt de l'état d'esprit. L'état d'esprit qui peut mettre en avant ma structure plutôt que moi en tant que personne physique. Mais pendant les réunions, c'est moi qui serai là avec mon ego surdimensionné et ça reviendra au même. Donc, ma solution est déjà une prise de conscience collective. Voilà, c'était donc... Permets-moi d'interagir, s'il te plaît. Parce d'accord, que là, vas-y. Parce allusion à ce que j'ai parlé comme entité. Effectivement, en amont, oui. Voilà, je vais réagir. Je vais le saluer d'ailleurs, Guy Métan, le Big Manager. Respect, Guy Métan, pour ce que tu as fait. Alors, quand je parle d'entité morale, ça dit quoi? C'est-à-dire, nous allons sur une base européenne. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le couple banquier qui est à Bilbao, Moukala Patrick qui est à Madrid, nous avons les noms au Luxembourg, nous avons les noms à Bruxelles, nous avons les noms au Canada, etc., etc. Donc, je m'explique. Domino Pro, entité. Il y a une assemblée générale qui se tient, disons, au Luxembourg. Je ne suis pas présent. Mais mes membres de Domino Pro peuvent me représenter. Donc, Domino Pro, en ce moment, Dominique Dior s'éclipse. Il envoie un de ses représentants de sa structure à lui pour être présent dans cette assemblée générale ou une réunion extraordinaire ou une quelconque assise. Ça fait quoi ça fait? Dominique Dior n'est pas présent. Mais comme Dominique Dior a une entité morale, il a ses membres. J'ai mon secrétaire, j'ai mon trésorier, j'ai mon commissaire au compte qui, en ce moment, pourra me représenter au Luxembourg. Au Luxembourg. Ce qui fait, quand on fera l'appel des présents, on verra, je vais citer, excusez-moi mes écouteurs, je vais citer Moukala, mon frère qui est là, pour qu'on soit plus ou moins d'accord, parce que c'est au bout de la contradiction qu'on aura des éléments, on pourra avoir des lignes concordantes. Patrick Moukala n'est pas présent à Paris, parce que, X ou Y raison, il a été empêché en Espagne. Patrick Moukala, de par sa structure, délègue son représentant de Paris pour l'assister à cette réunion. En ce moment, on ne dira plus que oui. Pourquoi il y a eu la réunion à Paris? Pourquoi Moukala Patrick n'est pas venu? Alors, quand il y aura la réunion à Madrid, je ne serai pas là. Il y a eu la soirée au Luxembourg. Pourquoi Patrick Moukala n'est pas venu au Luxembourg? À sa soirée, je ne serai pas au Luxembourg. Pourtant, Patrick Moukala peut rester à Madrid. Il a été empêché. Mais vu qu'il a une structure légale, donc il y a des personnes qui porteront sa mission. Avec l'ordre de son association, ils m'ont dit, bon voilà, moi je représente l'association de Patrick Moukala à Paris, je suis là, on fait les travaux, et c'est ça que je parle. Je parle des entités et non des noms. Parce que nous, les noms, on s'est vite fait. Dominique Dior n'est pas venu me soutenir au Luxembourg, je ne serai pas sur Dominique Dior. Pourtant, Dominique Dior, je pense qu'il va le représenter de ce côté-là. On est d'accord sur ce plan, mais je pense qu'il fait allusion, lorsqu'il parle de personnes morales quand même, et qu'il y ait une sorte de solution de conscience collective, ce qu'on n'a pas assez souvent dans notre environnement. Non, c'est très faux. C'est très faux. C'est très faux. Oui, mais pourtant, c'est récurrent. Vous l'aviez d'ailleurs reconnu. Non, il est, c'est pas récurrent. Pourquoi c'est pas récurrent? Parce que nous, les promoteurs, les organisateurs de soirées, nous connaissons.
parce que ça fait plus d'une quinzaine d'années et une vingtaine pour d'autres où nous nous retrouvons presque tous les samedis dans les événements. Donc, nous nous connaissons parfaitement. Entre nous, nous, il y a des petits problèmes, mais il n'y a pas de gros problèmes parce que nous nous connaissons. Nous connaissons comment nous fonctionnons. On se retrouve toujours dans nos soirées pour soutenir la culture. Donc, pour ce, à ce niveau, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème entre promoteurs. Il y a simplement un problème d'organisation structurelle. Je parle d'organisation structurelle. Voilà le problème qu'il y a à notre niveau. Dis-moi, tant je ne le connais pas. Il me connaît parfaitement. On peut avoir nos différences qui existent dans toute société. Mais lorsque nous sommes dans une structure organisationnelle, structurée, ces problèmes se mettent de côté. Donc les promoteurs sont hyper conscients parce qu'ils sont les premiers à être engagés dans les frais d'organisation. Ils sont les premiers à passer de restaurant en restaurant. Je viendrai d'ailleurs au restaurant de mon frère à Bilbao pour coller mes affiches. Donc ils sont les premiers. Les premiers. Bienvenue. Le banquier, ce n'est pas quelqu'un d'assez compliqué. En tout cas, merci pour cette réflexion. J'espère que Guy Métan vous a très bien suivi. Je vais rebasculer parce que j'ai une réaction très importante de Nina Boudechou qui s'adresse au P30. Je crois que Patrick en profitera pour en dire un mot. Le P30 aurait pu voir cette pandémie arriver. Vous êtes tous largués. Vous avez subi la basse. Vous subissez le lynchage sur Facebook. Et vous subissez le Covid, Patrick Moukala. Je ne sais pas si c'est une question ou c'est une affirmation déjà. C'est une réaction. C'est une réaction. Qu'en pensez-vous de cette réaction? Il y a aussi des dos qui viennent. Non, je dirais, tout simplement que c'est une réaction peut-être, à mon avis, soit peut-être provocative, s'il faut dire comme ça. Je vais commencer par. Ça reste une réaction que j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus. On va y aller. D'accord. Moi, je tiens déjà à souligner. Vous avez dit comment elle s'appelle la sœur? Nina Boudechou. Nina Boudechou. Voilà. Lui dire également, effectivement, que le P30 regorge des experts. Voilà. Regorge des experts événementiels qui, quand même, ont des prévisions. Parce que moi, quand elle dit, par exemple, que est-ce que le P30 aurait pu prévoir la pandémie? Ben non. Parce que le monde est tout. Personne n'a vu venir la pandémie. Ça, c'est voilà, maintenant, est-ce que le P30 aurait dû proposer des solutions qui portent à ce que certains dégâts n'arrivent pas? Je dis oui. Parce que c'est comme vous, M. Ilesopi. Je vous ai conscient qu'avant de reporter mon événement, je vous ai consulté. Donc, je veux dire que si déjà nous avons au sein de notre association des membres qui sont en pleine quinquessence des événements et que nous voyons une situation plus que qui surgit, je pense que dans notre sein, nous avons des personnes habilitées à faire des propositions à ce membre pour dire que, bon, telle que la situation se présente, essaye plutôt d'aller à gauche, essaye plutôt d'aller à droite, essaye plutôt de prévoir ceci au cas où. Moi, je pense encore. Que étant unis, parce que ça revient à ce que Guy Métan a dit tout à l'heure à mon confrère Dominique, que effectivement, on n'a pas forcément besoin des associations pour eux. On n'a pas besoin forcément des associations, excusez-moi, pour faire grandir notre culture. On a besoin des personnes intègres. Et comme je dis, quand j'ai cité les membres du P30, c'est pour que le public comprenne que si le P30 peut regorger, peut réunir toutes ces grosses têtes, et que toutes ces grosses têtes ont accepté, ce qui est très difficile d'ailleurs, c'est un élément que M. Dominique a évoqué auparavant, si toutes ces grosses têtes ont accepté faire partie d'un même organisme pour faire grandir notre culture, je pense que c'est un avancement énorme pour la culture camerounaise. Donc, je vais revenir à une question que vous avez posée auparavant. J'ai écouté un direct ici de ma collègue, comment elle s'appelle encore, la baronne Lolita. Lolita, oui. Où, à mon avis, oui, effectivement, où elle était en train de comparer les artistes camerounais aux artistes ivoiriens, congolais, disant que les artistes camerounais ne sont pas organisés, tout ça. Vous savez, nous, comme promoteurs, nous demandons à nos artistes de progresser, d'innover,
de faire des choses qui tendent à être en accord avec l'actualité. Mais nous ne pouvons pas comparer parce qu'effectivement, chaque société, chaque pays a une dimension dans tous ces domaines-là. C'est parce que, effectivement, j'espère que quand les Ivoiriens s'asseyent, ils disent aussi également que jouer au football comme les Camerounais jouent au football, par exemple. Donc, je dirais ici simplement que nos artistes, ce que moi, ce que notre collectif, notre association du pétrole exige, ou bien commencera à demander à nos artistes, c'est déjà de faire des bons travaux tels que faire des bonnes chansons, faire des bons vidéoclips, avoir une bonne qualité de son, afin que nous ne puissions plus regarder à côté, penser que peut-être un Ivoirien ou un Congolais ou un Tchadien sera mieux qu'un artiste local. Donc, il faut que nous encourageons nos artistes à beaucoup travailler, à avancer. Vous avez remarqué d'ailleurs que actuellement, presque tous les artistes camerounais sont déjà dans les réseaux sociaux, ce qui était très, très impossible. À l'époque, c'était comme un mythe. Aujourd'hui, ils ont compris la nécessité, chacun de venir quotidiennement exprimer la façon dont ils pensent faire son prochain album, son prochain clip, être en accord avec le public. C'est déjà très, très important. Et comme a dit également Dominique Dior, il faut que nos artistes soient structurés. Vous voyez, l'artiste, lui seul, il est communicateur. Lui seul, il est son manager. Lui seul, il est son producteur. Et lui seul, voilà, tout ça, ça gonfle et puis c'est pas ordonné. C'est pour ça, tout ça rentre dans les attributions du P30 pour réguler l'art culturel camerounais. Il y a des dos, qui viennent se connecter. Quoi, oui, je pèse vas-y. Hein. Okay. Je crois qu'on a laissé sur soi beaucoup ouais, comme ça. Il y a des dos qui viennent se connecter. Quand on dit comme ça, bonsoir des dos qui sera notre invité pour l'émission de demain, qui nous dit bonsoir à vous. Comment les non-artistes peuvent parler du quotidien des artistes pendant le confinement? Ça, c'est la première question qu'il pose. Et il demande que les invités du débat parlent d'eux pour mieux se présenter aux internautes. Donc ça, c'est sa deuxième réaction de Dedo. Après, il y a l'Azurène NKS qui vient en disant « J'ai fait un tour de vos soirées parisiennes. Combien viennent chez moi ? Hypocrisie. » Voilà, elle a réagi par rapport à ce qui s'est dit. Mettant qu'il revient en disant « Je dirais plutôt que si on était solidaire et organisé, on pourrait pallier à certaines choses. Quand on va à une guerre en rang dispersé, on a de bonnes chances d'échouer, alors qu'ensemble, on est fort. » Voilà, il y a un peu quelques réactions par rapport aux différents commentaires qui viennent. Comment on peut parler des artistes? Oui, bon, non, je dirais à Dedo simplement que nous sommes dans un environnement où on parle de l'impact du COVID sur la culture. Et qui dit culture, dit journaliste culturel, qui dit artiste, dit manager, dit ceci. Et donc, par conséquent, on a Patrick Moukala qui emploie des artistes et éventuellement il peut parler de ce qu'il connaît un tout petit peu sur les artistes. Ce n'est pas qu'il est artiste, c'est ce qui justifie en fait le fait qu'on parle. N'empêche que par le passé, nous avons ici invité des artistes sur le plateau et qui ont su éventuellement se défendre. Voilà. Est-ce que le banquier a une réaction par rapport à tout ce qui vient de se dire et même des réactions des uns et des autres, comme on ne l'a pas entendu depuis un certain moment? Vis-à-vis de ce que Patrick Moukala et notre confrère Dominique, ils étaient en train de parler. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ce domaine, je ne m'y connais pas très très bien. Et alors, en les écoutant parler, j'essaie un petit peu de prendre note et d'apprendre. Parce que je me suis déjà lancé dans l'événementiel et je suis quelqu'un déjà du public. J'apprécie tout ce qu'ils font comme effort de réunir de temps en temps des gens. Alors, je ne sais pas ce qui m'attend demain. Peut-être le demain peut m'amener dans le même chemin comme Patrick Moukala, comme Dominique Mignot. Moi, je suis là juste pour les écouter, pour prendre note, pour apprendre de ce qui de leurs expériences. Et c'est ça. Alors, je suis en train d'apprendre. Je prends note. Absolument. En tout cas, trop long. Merci de la bonne contribution et même surtout de votre participation. Alors, Dominique, dites-nous, on tend bientôt à la fin de notre débat, bien qu'on pourrait éventuellement continuer quelques 5-10 minutes. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes en plein
dans le confinement. Croyez-vous qu'on sortirait de cette situation idem comme nous sommes entrés? Oui, merci. Tout d'abord, je demande une faveur à la régie de nous accorder quelques minutes de trouble, le retard que nous avons. Si, ça a été fait en amont avec voilà. On s'est accordé. Ne vous inquiétez pas dessus. Ok. Alors, les grands spécialistes sont en ce moment dans des discussions pour savoir quel sera l'impact réel de cette pandémie sur le monde entier, dans tous les domaines confondus. Ce qu'il faut dire, c'est que cette pandémie a touché tous les domaines confondus, que ce soit le monde de la finance, culturel, etc., etc. Donc, en ce qui concerne le monde culturel, il faut dire que c'est là où l'impact a été le plus concret et visible. Donc, ouais. Pour l'instant, tout ceci est encore à l'étude. Je ne sais pas si vous êtes au courant de l'actualité française, où il y aura un déconfinement pour le 11 mai. Donc, on parle de la reprise des activités économiques, mais pas culturelles et sportives. Absolument, absolument, ouais. Vous avez compris la nuance. Ça veut dire que le monde culturel est fortement impacté. Et à ce jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas des réponses précises à quand est-ce qu'on aura une reprise effective de nos activités. Nous avons tous les oreilles pour écouter ce que le gouvernement nous envoie comme annonce régulière. Donc, pour la culture, ce qu'on sait, c'est que le monde culturel est le plus avec le monde hôtelier. Parce que les restaurateurs aussi, il ne faut pas les oublier. Et les hôteliers. Ouais, ils sont concernés en premier chef. Ils sont concernés en premier chef. Donc nous sommes tous dans le même panier. Nous ne savons pas quand est-ce que nous aurons des reprises. Cependant, nous avons des esquisses de dates. Mais ce sont des dates approximatives. Parce que vous savez que. Toujours un peu aléatoire. Toujours un peu aléatoire. Comme je l'ai tantôt dit, la pandémie, elle est toujours là. Et il ne faut pas l'oublier. Elle n'est pas complètement éradiquée. Quoi que nous disions, quoi que nous fassions, elle est toujours présente en nous, cette pandémie, et nous faisons tout pour la combattre. Donc, le monde culturel, encore une fois, on ne sait pas quand est-ce qu'il y aura les soirées, on ne sait pas encore exactement quand est-ce qu'il y aura les cinémas, on ne sait pas encore quand est-ce qu'on pourra aller manger dans un bon plat chez nos amis restaurateurs, nous ne savons pas, nous sommes dans l'attente des solutions précises et exactes. Donc, et pour réchérir à la remarque de mon jeune frère Dedo Bimbe, qui parlait de non-artistes qui parlent pour les artistes, et j'espère que tu as également répondu, nous faisons partie tous du monde culturel. Donc, nous pouvons parler des artistes et aussi vous, l'ESOPI, GPS, qui êtes ce qu'on appelle les intermittents de spectacle. Faites partie de ces personnes qui, nous, on dit dans nos soirées, on vous appelle, vous savez, nous, on vous appelle dans nos soirées. Mais le nom exact, c'est intermittent de spectacle. Et parmi les artistes aussi, il faut faire une nuance, parce qu'il y a les artistes chanteurs et les artistes musiciens. Absolument. Donc, mais chez nous, nous savons tous que la plupart des artistes musiciens camerounais sont enregistrés. Du moment où tu touches à un instrument de musique, tu es obligatoirement enregistré. D'ailleurs, ce sont eux qui vont plus souvent dans nos festivals et les festivals d'ici ou d'ailleurs. Ce sont les musiciens. Ce n'est pas des chanteurs. Il faut faire la nuance. Quand on parle du statut de l'artiste, il faut comprendre qu'on ne parle pas de tous les artistes. On parle de certains. Donc, en gros, la réponse à ta question est claire. Nous ne savons pas quand est-ce que ce confinement culturel prendra fin. Nous ne savons pas exactement quand est-ce que nous pouvons reprendre nos habitudes. Nous savons une chose, c'est que nous sommes confinés, nous sommes chez soi et nous essayons après tout de tirer des leçons pour rebondir. Je crois que ça va rebondir d'un moment à l'autre. Exactement. Voilà. Alors, Pat, vous qui venez de repousser comme cela votre événement, on peut s'attendre à quoi? À ce que l'année, elle est morte définitivement? On se dit, bon, on repart pour 2021.
Avant de vous répondre à la question, j'aimerais répondre à une question de Priscilla Kay, qui a demandé à savoir si un manager d'un artiste peut faire partie du P30. Et ah bon, j'ai la pas deuxième... vu cette... Je m'excuse ici là parce que je n'ai pas... Il y a la question, on reviendra. Allez-y. Le deuxième volet de sa question, c'est de savoir si est-ce que le P30 peut avoir un droit de veto contre un artiste. C'est sans grosse publicité aucune, hein. On vous accorde encore cette faveur. Patrick Moukala. Donc, je dirais que oui, Kisila, nous avons par exemple Kimé Tang qui est dans le P30 et qui est l'un des managers de beaucoup d'artistes. Ce n'est pas une barrière. Voilà. Le P30 est comme je vous l'ai dit, c'est comme une entreprise, comme une société. Et bien évidemment, une société travaille toujours avec un partenariat, avec une panoplie d'entreprises qui fusionnent. Et donc, le P30 s'attelle tout simplement à ce que tous les acteurs culturels puissent synchroniser et qu'ensemble, nous puissions élever la culture de notre pays. Ça, c'est ce qui est la vérité. Maintenant, en parlant de... Qu'est-ce que je veux dire de l'événement dont vous faites allusion, mon événement le 31 octobre, je dirais que à 80%, cet événement aura lieu. Et mon souci, comme je dis toujours, jusqu'en fin juin, c'est de savoir si le quota de la salle sera permis. Parce qu'en fait, effectivement, on peut vous dire que oui, vous avez le droit de faire l'événement, mais que vous ne pouvez pas remplir la salle à 100%. Il faut la remplir à 50%. Là, on verra si c'est encore faisable ou pas. On peut vous dire qu'il faut la remplir tout simplement peut-être à 80% ou à 30%. C'est sur ce que je suis en train de m'attarder. Ici, officiellement en Espagne, nous aurons les réponses le 30 juin. Ou le 30, je crois que c'est le 30 juin. Voilà. Donc, il y a ça. Je ne sais pas, je crois qu'il y avait une question dans l'air là qui m'échappe. Non, il y a plutôt Babette qui demande, pardon, donner aussi la chance aux nouveaux artistes. Les affiches, on voit les mêmes têtes. Promoteurs, essayez de vous mettre ensemble et parler, car maintenant, les soirées sont devenues plutôt des guerres. Donc, il y a Guimetan qui réagit en disant qu'on s'achemine vers une année culturelle morte. Voilà. Oui, mais je dirais tout simplement... Je peux parler ou quoi? Oui, vas-y. Donc, je dirais tout simplement à la dame qui pose le souci de travailler avec les jeunes artistes. On n'a pas un problème pour travailler avec les jeunes artistes. Vous savez, ici également, nous devons le dire, nous avons un public qui est très, très compliqué. Nous avons un public qui est très exigeant. Un promoteur est une société qui met de l'argent pour espérer rentabiliser. Alors, si... Quand vous regardez, par exemple, le travail d'un jeune artiste, c'est pour ça que j'ai demandé tantôt que les artistes travaillent. Parce que si vous regardez le travail d'un jeune artiste et qu'il ne peut pas vous ramener peut-être 20 personnes dans la salle, c'est très dangereux. Donc, ce n'est pas une question de prendre les mêmes personnes, mais c'est que les artistes doivent travailler. Vous avez des artistes, je citerai même, vite fait, vous avez des artistes, des jeunes artistes qui n'ont même pas 5 ans sur le marché, mais qui ont envahi l'espace. Tout simplement parce que ces artistes ont travaillé et ont gagné, ont mérité la raison d'exister sur la place culturelle. Et je dirais qu'également, le P30, quand vous parlez de publicité, le P30 travaille également pour que ce que nous faisons soit reconnu au niveau de nos institutions. Vous savez, le P30, c'est l'une des activités, le métier de promoteur culturel, c'est l'un des métiers les plus ingrats. Les danseurs, les guitaristes, les musiciens, les interprètes sont affiliés aux droits voisins. Nous, les promoteurs, nous dépensons une quantité d'argent, 10 000 pour certains, 20 000 pour d'autres, 50 000, et nous sommes enregistrés nulle part. Nous n'avons pas le droit de réclamer ces droits nulle part. Alors, au-delà de ce que disait mon confrère Denis Dior, qui demande qu'on soit affilié, effectivement, on est des sociétés légales, c'est vrai, mais en tant que promoteur culturel, ni les droits voisins, ni les droits d'auteur au Cameroun ne le connaissent pas. Et ça, c'est l'une des missions du P30,
pour que cette activité également, parce que ça ne va pas se limiter au niveau de l'Europe ou ni au niveau de l'Amérique, même au niveau du pays, nous allons nous battre pour que notre activité soit reconnue au niveau des droits voisins. Voilà. Donc, je m'arrête d'abord là. D'accord. En tout cas, belle intervention tout de même. Hein. On voit dans nos réactions beaucoup qui estiment que il faut considérer que 2020, sur le plan culturel, c'est une année morte. Alors, le banquier, est-ce que, à votre niveau, vous qui êtes chef d'entreprise dans la restauration et même dans l'import-export, on voit qu'aujourd'hui, le transit est quasiment nul. Est-ce que vous pensez que vous aussi vous acheminez comme ça vers une année blanche, une année morte complètement? Il faut toujours garder espoir. Moi, de mon côté, j'ai appris à garder espoir et à tenir bon. Mais selon ce que les gens disent déjà, c'est leur manière de voir des choses, la manière qu'ils voient des choses. C'est à travers cela qu'ils peuvent dire ce qu'ils peuvent dire. Mais moi, je sais déjà que dès le moment où on nous a confirmé, j'ai fermé la société, j'ai fermé le restaurant, tout est mort, toute activité est morte de mon côté. Alors j'attends voir, il faut garder espoir comme je dis, j'attends voir les jours à venir si ça va changer. Parce que si je perds toute une année comme ça, vous pouvez imaginer ce que je perds comme... c'est ça. Alors je garde espoir pour ne pas dire que l'année est morte. Moi je garde espoir et j'espère bien que ça ira. Dès qu'on sort du confinement, je vais commencer mes activités, tout va bien se passer. Je l'espère bien. En tout cas, c'est tout ce que nous souhaitons, hein, que les choses puissent vraiment reprendre. Dominique, dites-nous, est-ce que vous faites partie de ceux qui croyaient que là, c'est terminé, on ferme la boutique, bon, on se prépare simplement pour 2021? Étant dans le milieu, je ne peux pas me le permettre. Je ne peux pas me le permettre parce que nous avons nos collègues qui avaient déjà les dates pour 2020. Donc, ça sera trop simpliste pour moi de dire « c'est terminé ». Non. Quelqu'un qui n'est pas de métier peut dire cela. Parce que nous, ça, je sais ce que c'est qu'organiser une soirée, je sais ce que c'est réunir du monde. Je connais le travail qu'il y a en amont. Donc, on ne peut pas dire que c'est terminé. On va tout simplement dire de reporter. Il faut reporter. Tous ceux qui avaient des événements, en fait, c'est exactement le cas. Hein. Tout ce qui était prévu pour le mois de mars, avril, mai, juin, juillet, ont la quasi-totalité, ils ont reporté. Et moi, à titre personnel, j'encourage des reports et non des annulations. Parce que je fais partie de ce milieu. Voilà, je ne peux pas dire en annulant. On reporte. On reporte avec son équipe. Comme on fait d'habitude, on s'assoit, on contacte des uns et des autres pour pas qu'il y ait coïncidence de date. Et on travaille derrière. Voilà. Et on tient son public, c'est-à-dire ses soutiens en alerte par nos mécanismes que nous seuls nous connaissons, des inbox, etc., etc. Voilà, donc il faut aller plutôt à des reports et non à des annulations parce que, comme vous savez tous, nous sommes confinés et il y en a pour certains, comme on dit, il y en a marre. Il y en a certains qui veulent sortir, boire une coupe de champagne, comme on aime bien le faire. Il y en a ceux qui ont mis des costumes au frais, ils aimeraient bien mettre les nouvelles costumes. Il ne faut pas se le cacher, c'est une réalité de chez nous. Il y en a ceux qui ont acheté des dernières chaussures au mois de février. Ils comptaient les porter pour le 11 juillet chez Bukala en Madrid. Alors, qu'est-ce que la chaussure fait dans la panderie? Il faut bien qu'on la porte. Donc, ils sont là, ils sont prêts à sortir ces chaussures. C'est pour ça que nous encourageons au Domino Prod, j'encourage des reports. Il faut reporter. 2020, c'est une année. Nous avons connu cette panderie, nous la vivons, mais elle n'est pas terminée. Il ne faut pas être pessimiste. Il faut garder espoir. Il faut garder espoir que nous allons vaincre cette pandémie en respectant les gestes barrières fixés par le gouvernement à l'heure actuelle et également être prêt à rebondir. Parce que quelqu'un l'a souligné tout à l'heure dans des commentaires, vous savez, nous faisons du show et du biz. Le show peut s'arrêter, mais n'oublions pas que le biz doit suivre. Surtout qu'il faut continuer à vivre avec cette pandémie, puisqu'elle sera là dans tous les cas. Exactement. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dit il ne faut pas se permettre de dire surtout 2020 est terminé. C'est une erreur stratégique. 2020 n'est pas terminé parce que le biz doit continuer. Des personnes ont avancé d'énormes sous pour les locations des salles. D'autres ont fait des avances pour les artistes. Il faut bien
et le public, ils attendent. Donc, il faut bien que le biz continue. Vous avez vu comment ça fonctionne ailleurs? L'économie reprend. Pourquoi au champ où j'exerce en ce moment, nous sommes ouverts? Pourquoi pas ne pas aller chez mon ami Boukala le 31 octobre, boire un bon champagne? Pourquoi ne pas le faire? C'est aussi son biz. C'est son biz. Pourquoi ne pas aller à Bilbao chez mon frangin, le banquier, manger un bon dolé? Parce et que du poisson frais surtout. Hein. C'est son biz. Voilà, c'est son biz. C'est son biz. Pourquoi ne pas soutenir Jackie Kinyé, qui a sorti Chéri Coco, le son de l'heure, dans ses multiples dates qu'il avait? Pourquoi le faire? Pourquoi jouer les espoirs? Non, le show doit continuer, et surtout le biz. Maintenant, comme on a dit tous, on est d'accord, unanime, il faut qu'on en tire des leçons. Des leçons. Pour que, voilà. Voilà, pour qu'on ait un mode de fonctionnement. Merci, Dominique Ndor. Alors, GPS, avant qu'on ne fasse un tour au Cameroun, est-ce qu'on a encore quelques réactions du côté de la régie? Oui, au fait, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de se répondre dans les commentaires. Et on voit actuellement. Donc, ça bouge terriblement de ce côté-là. Ça bouge, et le manager des managers. Il n'y a aucune réaction qui nous intéresse. Je vais lire un peu une réaction de Nina qui vient comme ça de tomber au fur et à mesure que tu as parlé tout à l'heure. On peut croiser même les orteils. Ça ne va rien changer. J'observe encore les étoiles et je vous reviendrai avec des nouvelles du ciel. Bon, ça... D'accord. Bon, il y a Mimi qui vient de réagir là. Il est, je te laisse le soin de le lire ce côté anglais là pour ne pas finir mon anglais. Attends, que je me connecte, je ne sais pas. Bon, il y a des... I had the same experience with the restaurant owners in Spain. I had to lock down immediately with all the inventory. I just booked especially since I own an Italian restaurant, la Tavola, Cecina restaurant, as well as a Kilimanjaro lounge. It is a big hit and we will be feeling it for a long time. Ah oui, donc je pense qu'elle nous fait savoir qu'elle a son restaurant éventuellement, le Kilimanjaro, qui est dans le même sillage qu'un restaurant italien, la Tavola lounge, qu'elle a dû fermer immédiatement, un peu comme ce fut le cas, n'est-ce pas, pour le banquier. Voilà, c'était un peu ça. Alors, on va rapidement aller du côté du Cameroun, bien qu'en restant à Paris, à Madrid et à Bilbao. On voit que nos autorités ont décidé comme ça de lever un tout petit peu la main en ce qui concerne les bars au Cameroun. Ça vous choque cela, tous nos panélistes? Est-ce que vous qui êtes au courant, vous qui avez de la famille de l'autre côté, le fait d'ouvrir les bars au Cameroun, vous avez tous vu, vous avez tous appris. Est-ce que c'est une réaction de l'autorité administrative qui vous parle, Dominique? On va commencer par vous avant de tomber sur le banquier. C'est une question très difficile. Hein. C'est une question difficile. Ça dépend de quel point de vue on va l'apprivoiser. Alors, du point de vue d'un citoyen lambda, c'est très surprenant. C'est très surprenant et c'est même abrupt de lever le déconfinement des bars. C'est abrupt du point de vue d'un citoyen. Franchement, on ne voit pas la nécessité de réouvrir les établissements nocturnes, vu que la pandémie est en train de s'installer en Afrique. Franchement, on ne voit pas la nécessité de rouvrir ces locaux de consommation. Surtout que nous savons comment est l'environnement de notre pays. C'est un environnement où chacun est, nous appelons cela les délaissés pour compte. C'est-à-dire chacun voit midi à sa porte. Les mesures d'hygiène ne pourront pas être respectés. La police qui est censée faire son travail de sensibilisation, d'éducation et ensuite de répression ne le fait pas. Donc les citoyens sont délaissés à eux-mêmes. Donc ça devient délicat. Ça devient délicat de réouvrir les commerces nocturnes. Ça, c'est un point de vue citoyen. Oui. Maintenant, d'accord. C'est un point de vue économique, j'imagine. Un point de vue économique.
Parce qu'il faut le dire, moi, je l'ai dit au départ, j'ai une casquette, je suis dans l'immobilier au Cameroun parce que j'ai des investissements immobiliers là-bas. Donc, je comprends également la difficulté pour nous autres qui avons investi de l'argent dans l'immobilier et de voir tout d'un coup nos activités être cessées. C'est très compliqué. Donc, c'est à cette double équation que nous devons s'y mettre. Bon, mon point de vue personnel est le suivant. Il ne faut pas condamner à tout va. Il faut pas condamner à tout va, mais il faut simplement faire ce qu'on appelle de la sensibilisation. Il faudrait que nos autorités mettent en place, avec le ministère des Affaires sociales, parce que nous avons un ministère des Affaires sociales, en ce moment, le ministère de la Santé est en train de faire son travail. On voit le ministre qui est partout, il est au front, comme on dit. Maintenant, il faudrait qu'on mette en place le ministère des Affaires sociales pour qu'il joue son rôle de sensibilisation auprès de la population. Parce que cette population, elle a envie de s'éclater. La vie est dure au Cameroun, elle a envie de sortir. Il faut qu'on continue à les sensibiliser, de porter le masque, c'est très important, de se laver les mains, c'est très important, de sortir. Parce que oui, il faut que ces bars fonctionnent. Il faut que ces personnes qui y travaillent fonctionnent. Parce que c'est ça le problème. Il faut que ça continue à vivre. Il faut que ça continue à vivre. Il faut qu'on apprenne à vivre avec cette maladie. Il faut qu'on apprenne à vivre. Tôt ou tard, on n'a pas de choix. Moi, je suis en ce moment au front. Je vous ai dit au début de mon propos. Je vais à Effectivement. mon occupation tous les jours. Je vais travailler tous les jours. Je suis à Auchan, La Défense. Je rencontre des clients qui viennent faire des courses. Je renseigne. Je les informe, je les éduque. Donc, c'est le même processus qu'on doit avoir au Cameroun chez nous. C'est-à-dire qu'il faut que ces bars réouvrent. Parallèlement, il faudrait que l'autorité mette en place des mesures de sensibilisation et d'éducation. Parce que cela, ça nous manque cruellement au Cameroun. Donc, voilà mon point de vue. D'accord. Alors, le banquier, alors cette attitude de nos autorités pour l'ouverture des bars au Cameroun, est-ce que c'est une attitude qui vous choque, vous qui avez de la famille, vous qui avez encore des amis de ce côté du Cameroun, à Douala et à Yaoundé et un peu partout? Hilaire, une fois de plus, merci pour m'avoir posé cette question, mais je vais vous dire que je me retiens à ne pas opiner sur cette question que vous m'avez posée. Parce que si cela concernait le gouvernement européen, sachant que j'ai la liberté d'expression ici en Europe, j'aurais pu opiner. Mais vis-à-vis de mon pays, je l'aime très bien, c'est mon pays, j'aime ma famille qui vit là-bas. Alors je me réserve de ne pas donner un point de vue dans cela. Merci. Alors, pas de moi, merci bien. Alors, pour vous, quel regard faites-vous de cette attitude de notre autorité qui décide comme ça que chacun puisse aller dans un bar, voilà, se rafraîchir tranquillement et bien, sans problème? Vous savez, je crois qu'on est exagérément prétentieux pour nous qui sommes ici en Europe. On est même à la limite fallacieux, même à la limite. On ne peut pas penser qu'un gouvernement va envoyer sa population à une mutinerie, s'il faut dire ça comme ça. Je pense que Vous utilisez les mots très forts là, Patrick Boukala. non, N'en mais sont non, pas là, c'est pas de la butinerie. c'est pas la guerre, c'est pas encore la guerre, gars. Sérieusement, j'ai comme impression, parce que ici on devient, en Europe, ici, subitement, on devient tous des analystes et puis chacun pense que voilà, c'est lui qui a raison dans son coin. Mais je pense qu'un État, un gouvernement qui a des sociologues, des scientifiques, des politiciens qui se sont assis en fonction du contexte de leur pays et qui ont décidé une pareille mesure, je pense qu'ils ont étudié le pour et le contre. Et moi, je vais vous dire, à ma grande surprise, moi, je recule, parce que ça fait, je crois, depuis dimanche, qu'il y a cette liberté. Ça fait aujourd'hui 5 jours que les bars là sont ouverts. Je n'ai pas entendu qu'il y ait un scandale de mort. Ça veut dire que les autorités, quand même, ont eu le temps de réfléchir avant de dire que cette éventualité n'est pas aussi grave en tant que telle. Et pour moi, pour parler du point de vue, je dirais que nos autorités connaissent beaucoup de vérités de cette pandémie que nous connaissons parce que les vérités. Je dirais politique, même d'ailleurs, que les grandes nations nous ont imposé et nos autorités, bon, dans le même sens du roulement, ne peuvent pas nous les expliquer.
Donc, moi, je ne suis pas en train de... Ici, je ne condamne pas. Je dirais simplement que, effectivement, les mesures barrières, les mesures de protection qu'ils ont proposées, il faut qu'ils soient fermes là-dessus. Il n'y aura pas un ravage humain, je ne crois pas. Ça, c'est des foutaises. D'accord. Il n'y aura pas... Voilà. Merci infiniment pour toutes vos contributions. Alors, GPS, y a-t-il des derniers messages au niveau de la régie pour qu'on essaie de faire présentement le tour de table? Oui, bon, y a beaucoup de personnes qui sont en train de se moquer un peu de notre, de mon anglais, comme j'ai dit que je te transmets la main, en disant que comme nos multiples voyages, on n'a pas pu bûcher un peu l'anglais là-bas. Quand je sais que je ne peux pas prononcer l'anglais, il ne faut pas que j'écotique. Donc, il y a aussi Amanda Blink qui nous dit belle réponse, le banquier. C'est une affaire politique. Le fait que voilà, il a tenu à garder, n'est pas se prononcer sur la question. On respecte vraiment le choix du banquier en disant que c'est une affaire politique. La partie du débat, c'est Amanda qui revient en disant que la partie du débat s'y risque de nous amener dans les affaires politiques. Hein. Donc c'est un peu ça. Donc pourquoi on ne puisse pas, puisque comme vous partez, c'est pour ça que le banquier tout à l'heure est allé un peu. Il y a des dos qui viennent de réagir, des dos, content pour moi, Guimetant qui reprend Dedo, pourquoi on doit valoriser le mérite. C'est Guimetant qui répond à Dedo dans le commentaire. On doit valoriser le mérite. J'ai des gens qui jouent au clavier comme toi et qui sont plus proches de moi et que j'ai des. Je pense que peut-être ils sont en train de se répondre entre eux en commentaire. Et je pense que aussi les commentaires qui arrivent en anglais, il est sorti. Je pense que ce côté-là. Oui, oui, je dois te laisser les responsabilités. On fait l'Allemagne, on ne fait pas non plus maîtriser toutes les langues, on va se débrouiller tout de même. Le micro pour la princesse, qu'on salue. Il y a Somi Dibob qui nous dit en anglais I, the panelist of the Cameroonian Beast Show, brought courage for the background work you put together. C'est reparti, je cherche. Monty Solid. It's the world. Voilà, je reviens dessus. Nothing solid in this world does not be without sacrifice. Rien de solide ne peut être fait sans sacrifice. And each, you make the history of time in the cultural world. Voilà, il fait allusion aussi à la culture. Mimi qui revient en disant, there is a lot of cases now in Cameroon, il y a beaucoup de cas au Cameroun. Elle dit qu'il y a beaucoup de cas de COVID au Cameroun. Elle connaît personnellement 4 personnes. Je pense que c'est plus à l'ouverture des bars. We need to be honest. Nous devrons être assez honnêtes, d'après ce qu'elle nous dit. Amanda Blink qui dit à Patrick Moukola, c'est pas parce que vous n'avez pas entendu que ça n'existe pas. C'est le chaos, le sanitaire au Cameroun et Caton. Bon, voilà, tout ça, c'est à vérifier. Tout ça, c'est à vérifier. Mimi qui revient à nous disant « We cannot do politics which people live. » Nous ne pouvons pas faire de la politique avec des gens qui ne vivent pas. « We will lose more people due to the unhumility lift of quarantine. » Bon, voilà. Il y a pas mal de personnes qui sont en quarantaine. En fait, elles déplorent, je pense que c'est une attitude qu'elles déplorent, le fait qu'on ait pu laisser tous ces bars-là. It is a shame that what are still not being honest with each other, even out of. Il y a Guimetta qui dit qu'il est sauf, s'il te plaît. Non, c'est que Guimetta lui ne comprend pas l'anglais. Voilà, moi je suis sûr. En tout cas, Guimetta qui dit il est, s'il te plaît, pardon, pitié, s'il te plaît, pardon. Voilà. Non, puisque je lis en même temps, j'essaie de traduire parce que je maîtrise mon anglais. Donc, Guimetta ne me débattera d'ailleurs pas. Voilà. On va rapidement faire un tour de table avant de conclure. Alors, la banquière, on va commencer, n'est-ce pas, par la seule dame qui est parmi nous. Alors, la banquière, comment a-t-elle trouvé le débat en espagnol, même si Patrick va nous aider à réagir? La banquière, à toi la parole. Un contrat de débat muy interesante y todo lo que hemos aprendido también me ha hecho crecer y he pasado una buena tarde. Donc, elle a trouvé le débat très, très intéressant. Tout ce qu'elle a écouté lui a permis également de grandir, d'apprendre. Donc, le débat était très intéressant. Elle a passé une bonne soirée. C'est pas facile hein, de passer 2 ans à côté de son mari. Bon, on sait qu'elle est habituée à passer plus que ça. Hein.
on peut que lui souhaiter un agréable moment. Alors, le banquier, alors, le mot de la fin. Oui, il est. Tout de même, je vous dis merci de tout ce que vous faites pour nous. Je dis un grand merci aussi à GPS que je viens de connaître ces derniers temps-ci. Et vraiment, je partage un bon sourire avec lui. À mon frère Dominique Dior de Paris et Patrick Moukala de Madrid, une fois de plus, je vous remercie du fait que vous aviez renoncé et à vos soirées qui étaient prêtes à organiser. Déjà, parce que je tiens à te dire que ma chaussure, moi, je l'ai portée hier. Hein. J'avais déjà sur le et ma cravate, mais moi je peux que la porter tous les jours. Donc, je vais chercher notre cravate le 31, t'inquiète. D'accord, en tout cas, voilà. Alors, bravo pour la participation. Alors, Dominique Ndjor, pour avant ça, il y a Dedo Bimbe qui apprécie. La bravoure de Patrick Moukala qui aime tellement la culture musicale. Il est l'un des rares qui fait des kilomètres pour soutenir ses confrères. Bon, sans rire à Talakou. Hein. Dominique, voilà, tu as la parole. Oui, merci Hilaire. Je ne vais pas être très long peut-être. L'initiative elle est très bonne. Je l'ai d'ailleurs dit et redit. GPS, c'est un prestataire de spectacle, c'est un intermittent de spectacle, faut le dire. Nous le sommes tous. Il fait partie de cette diaspora qui aime vivre, qui aime faire vivre sa culture, qu'elle soit basse ou haute, selon les milieux, mais il est là, il existe. Il est également, toi, on a connu tes débuts ici à Paris, tu sais combien j'étais soutenu, combien j'ai apprécié tes punchlines. Combien j'ai soutenu tes innovations lorsqu'il fallait tenir le micro à nos invités. C'était pas facile, mais on y a tenu. Voilà. Et 2020, nous y sommes en train de faire un débat live comme ceci. Il faut rendre gloire au Seigneur. Parce Absolument. Que s'il faut remonter aux années antérieures, GPS... C'est du grand chemin parcouru. Hein. Voilà, je peux être fier. Je peux être fier de GPS parce que j'étais l'un des premiers à lui dire, petit, tiens la photo comme ça, petit, la photo là, elle est sale, enlève-la, nettoie-la un peu parce qu'il faut voir de Mingo beau. Et il ne m'écoutait pas au début parce qu'il voulait voir les photos en vrac. Mais j'ai insisté, je lui ai dit GPS pour te faire un nom dans ce milieu de Caïd, de Caïd, un milieu de Lyon, il faut chercher l'excellence. Et il m'a écouté, d'ailleurs, il a été un des précurseurs. Parce que tous les autres qui sont venus, ils sont venus après lui. C'est un des rares qui a écouté mon conseil et j'en suis fier. Également pour toi, Hilaire, tu te rappelles de nos bagarres quand il fallait donner les interviews aux personnalités. Je te disais, Hilaire, attention, donne d'abord la parole aux promoteurs. Parce que nous, les promoteurs, on va faire ta force. Laisse d'abord les invités. Laisse d'abord le banquier. Prends d'abord les promoteurs. Et tu ne voulais pas. Il ne faut pas oublier que le banquier est un lion. Hein. Le banquier lui a arraché. Le banquier lion, aussi, Dominique. J'impose. Quand j'aime ce que ça, j'impose, Dominique. C'était rude. Mais c'était l'espoir à partir. Patrick Moukala, sa première interview, elle est 2013. Hein, j'ai revu dans mes archives. 2012, 2013, par là. Voilà. Pourtant, nous y étions déjà un peu avant. Non, c'est pour dire. La première interview, c'est 2006. Voilà. Tout le monde se rappelle de la première interview de Hélène Sopi. Donc, c'est l'occasion aussi pour rappeler, on appelle ça les batailles de coulisses. J'ai cité le nom de le banquier, il n'était pas au courant, mais on appelle ça les batailles de coulisses. On bataillait en coulisses. On bataillait en coulisses parce qu'on voyait du potentiel. On voyait du potentiel en Hélène et il a été l'un des premiers à filmer un événement et à le balancer moins de 24 heures après. C'était vraiment, on appelle ça des innovations, parce que les gens allaient auparavant dans les soirées, ils attendaient une semaine, voire un mois, de retrouver leurs photos, et par contre, vous êtes arrivés, cette génération, vous avez trouvé, grâce à mon soutien, parce que j'y étais déjà. Donc pour moi, c'est une occasion de vous rendre hommage. Et de dire aussi que le combat continue. Il ne faudrait pas qu'on baisse les bras. Il ne faudrait pas penser que Domino Pro 2 a laissé l'événementiel. Non, Domino Pro
est un amoureux de la culture, il sera toujours là. Et d'ailleurs, j'étais là pour des grands événements. Donc, et je tire un coup de chapeau à tous nos soutiens. Sauf que, n'oublions pas une chose, c'est également l'occasion, parce que j'ai la parole, de dire ce confinement doit nous servir de leçon. C'est-à-dire qu'on doit tirer des conséquences dans tous les points de vue de nos métiers. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que nous devons travailler différemment? Nous avons copié des modèles de nos aînés qui ont été dans ce métier avant nous. Parce qu'il y a eu des noms qui, il y a 25 ans, moi j'étais encore au Cameroun, mais on entendait les échos des soirées à Paris, des soirées associatives. Ils ne sont plus là aujourd'hui. Aujourd'hui, nous y sommes. Demain, nous ne serons plus là. Nous allons laisser un héritage à nos jeunes frères qui vont venir. Essayons de laisser des preuves positives. Pour cela, essayons d'innover. Essayons d'éviter le gaspillage. Essayons d'éviter le dispersement. Parce que nous sommes trop dispersés. Essayons d'éviter d'être trop dispersés. Essayons de nous concentrer sur l'essentiel. La culture camerounaise, à notre niveau, parce que chacun la contribue à son niveau. Il y en a ceux qui font des événements dans de grandes salles, dans de grands hôtels. Ils font à leur niveau. Nous, à notre niveau, la diaspora populaire, la diaspora de masse, la diaspora qui aime vivre, la diaspora qui travaille de lundi à samedi, mais qui veut se divertir le samedi, nous sommes obligés, nous avons l'obligation d'apporter des éléments de réponse à leurs besoins. C'est pour cela que, comme j'ai dit tout à l'heure aussi, je vais me répéter, nous avons tous le diagnostic. On s'est beaucoup critiqué. Maintenant, l'heure est aux solutions. Essayons d'apporter les solutions et soyons fermes dans nos positions. Tant que nous ne serons pas structurés, tant que nous ne serons pas légaux, nous allons continuer à faire les erreurs de nos aînés. Nous sommes une génération où nous ne devons plus faire ces erreurs. Le Covid-19 est venu à point nommé pour dire stop. Stop à tout. Les restaurateurs, mon ami et frère, le banquier, j'aurai le soin de lui donner les conseils en immorce, on va s'appeler. Je lui dirai comment développer une application pour que son restaurant puisse faire des livraisons via l'application. Mes amis promoteurs, je vous dirai comment organiser un événement qui est déjà plein. On a déjà tous nos VIP, on a déjà tous nos marins, nos parrains. Comment vendre des places à des personnes qui suivront nos soirées étant connectées? Oui, c'est ça. Le numérique va rentrer en jeu. Un ami à moi, il n'a pas pu prêter à la vie des pauvres. Cette fois-ci, nous allons créer des applications. Nous allons travailler avec les développeurs informatiques pour faire en sorte que celui qui n'a pas pu être à notre soirée, mais qui a pris sa place, qui a payé son billet, mais pour X, Y raison n'a pas pu être, pour que lui, il ait accès à ce concert à partir de son salon. C'est possible. Réfléchissons, voyons comment nous pouvons avancer dans notre diaspora. Parce que ici, j'ai espoir, je sais que tout n'est pas pourri, il y a des intelligences, il y a des personnes qui peuvent travailler dans cela. Allons vers ces personnes avec toute humilité possible pour qu'on essaye tous d'avancer. Parce que tant qu'on n'a pas d'humilité, tant que nous sommes cloisonnés dans nos positions, dans nos convictions, nous n'allons pas avancer et nous allons répéter les erreurs de nos aînés. Donc, je conclue donc mon propos en disant ceci. J'ai été ravi de partager ce plateau avec Patrick Moukala, qui est un frère, et que j'espère qu'on aura l'occasion de continuer ce genre de débat en immense. Il ne faut pas mettre de l'orgueil en avant. Il faut se dire, nous sommes là pour que la culture avance. Il faut se dire que nous avons commis des erreurs. Nous avons commis beaucoup d'erreurs. Il faut se reconnaître, être humble, de l'accepter. Maintenant, les bananes sur le chemin, il y en aura toujours. Il y aura toujours ceux qui n'aiment pas la tête de Dominique Diop, il y aura toujours. Mais est-ce pour cela que Dominique Diop va abandonner? On dit non. Donc je salue l'initiative qui, ma foi, va continuer, même après le confinement, parce que le numérique nous a enseigné qu'à distance, nous pourrons continuer. On peut faire plein de choses. Ça, c'est vrai. Ces interviews,
la voix de la diaspora, Sophie Proud. Je ne suis pas obligé d'être à l'hôtel comme le rendez-vous a été prévu. Je suis chez moi, on fait cette interview, on la diffuse. Je pourrais rester chez moi, je commande un plat de ndolé à Bilbao. Le banquier se débrouille à me l'emballer, à me le ramener à la maison. Son restaurant est plein, il y a plein de clients. Il y a les places assises, il s'en fout. Il dit également que non, attention, je mettrai un volet livraison. Pas emporté, c'est différent. Livraison et emporté, c'est différent. Il faut faire la nuance. Ce n'est pas emporté, c'est livraison. Donc, je pourrais également dire à GPS, merci, je pourrais être chez moi sans être à une soirée, mais via son application. Via son application, que j'ai dû payer ma place à cette soirée, il s'organise avec le promoteur, je vois la soirée chez moi, à la maison, avec ma famille. Donc, voilà l'innovation que ça nous apporte. Donc, je terminerai par mon propos en saluer ma femme, Béatrice, qui m'a toujours soutenu lors de tous mes combats culturels. Et je salue également les artistes et je les invite au professionnalisme. Parce que c'est ça aussi, il faut parler, parce que nous travaillons en commun avec les artistes. Il faut qu'ils soient professionnels, il faut qu'ils aient, tout à l'heure mon ami Ifrain Moukala l'a dit, il faut qu'ils soient actifs dans les réseaux sociaux. Parce que tout se passe maintenant sur Facebook. Absolument. Quand je ne pas, tout se passe sur Facebook, Instagram, YouTube, WhatsApp. Il faut que ces artistes mettent des photos professionnelles dans sur leur page. Pour que lorsque nous, promoteurs, nous avons besoin d'une soirée, on aille prendre leurs photos, pas où ils sont en train de manger le ndolé, mais leurs photos où ils sont dans des positions professionnelles, pour que nous les mettions en avant. Merci, donc, Dominique. Je termine également, excuse-moi, en disant qu'en ce moment, Domino Pro collabore avec une brave dame, jeune, dynamique, à la personne de Mireille Bellissima. Donc, Domino Pro coproduit son émission qui passe sans publicité à Canal 2. Ça s'appelle Le Look du Week-end. Donc, je salue Mireille Bellissima pour l'effort qu'elle fait pour proposer Le Look du Week-end. Merci. D'accord. Merci bien. Merci Dominique. Merci. Alors, Patrick Moukala, avant qu'on ne passe définitivement la parole à la régie, le mot de la fin. Oui, monsieur Sopi, je dirais que je suis très, très satisfait de cet entretien que nous avons eu. C'est beaucoup d'années que nous avons, que nous cheminons ensemble, monsieur Sopi. Absolument, tu insistes, ça c'est vrai. Voilà, autant que moi, GPS également. Je profite pour répondre à une téléspectatrice qui disait tout à l'heure qu'il faut que nous travaillions, nous collaborons également avec les jeunes artistes. Je dirais que dans mon cas d'espèce, depuis l'année dernière, je fais des événements live. Alors, vous savez que le live, ce n'est pas le bricole. C'est vraiment une production où l'artiste doit prouver qu'il a le talent, qu'il a le potentiel pour être chanteur, par exemple. Donc, je dirais simplement aux artistes de travailler, comme on a dit, pour qu'ils travaillent dur. Si vous travaillez, forcément, il y aura résultat. Je profite également pour faire un big up aux artistes qui m'ont fait confiance cette année, malgré le décalage. J'espère que le 31 octobre, ils vont finalement avoir notre événement. Donc, je fais allusion ici au monument André-Marie Tala, qui est mon artiste du 31. Au panafricaniste Junior Senga, qui est sur le plateau également. Et au perturbateur Richard Amougou. C'est les artistes qui vont prester le 31 octobre à la Grande Nuit du Cameroun à Madrid. J'ai également en première ligne l'artiste qu'on appelle LGSM, c'est Sinclair Mbondio, c'est un jeune artiste qui fait le Makossa, qui également fera partie de cette équipe pour nous entretenir le 31 octobre. Donc, je remercie également sur ce plateau mon couple d'honneur, dont le couple banquier qui est là avec nous, qui m'a toujours fait confiance depuis l'année dernière. Voilà, qui a commencé déjà à utiliser les chaussures. Il va acheter toujours, j'espère. Je remercie. Je remercie GPS et également mon frère Dominique Job. J'apprends beaucoup de toi, Dominique. Je ne te connaissais pas d'aussi talentueux. Talentueux. Voilà, donc comme je dis toujours, je t'invite à approcher le P30 parce qu'on a besoin des cerveaux pour évoluer. Donc merci aux téléspectateurs, merci à tous ceux qui ont pu participer d'une certaine manière.
Merci à vous, GPS, et à la prochaine. Voilà, on va revenir un tout petit peu à la régie. Voilà, c'est ça que je voulais qu'on intègre par, ici. Voilà, il y a Amalek qui vient de réagir, qui dit « Belle initiative, Dominique, mais pour de mémoire, nous avons déjà essayé de la diffusion en streaming en 2013 avec le feu Pato Style et en 2019 avec Rude Boy, X Maela, mais très peu suivi. Espérons qu'avec le Covid, ça changera. Donc... » C'est Amalène. Oui, c'est Amalène qui dit ouais, ça. Oui, c'est Amalène qui commenté dit, oui, des expériences vécues par le passé. Il y a aussi Mimi Trepou, n'est-ce pas, de New Jersey, qui dit « Nina, when I opened Kilimanjaro Lounge, I was thinking of Africa at large, which the thought of transforming the Italian restaurant, la Travola Cuisina, into an African restaurant later. Everything is possible. » Je crois que c'était un peu en réponse à Nina qui disait qu'elle était en train de prévoir ouvrir un restaurant sur le Mont Cameroun. Il y a juste Samy Dibok qui nous écrit en disant « Beau message communicatif, Monsieur Njor, pour booster dorénavant les activités sociales et culturelles de notre communauté. » Voilà. Voilà, donc Nina nous dit que d'ici le 31 octobre, justement, si Dieu le veut, elle compte ouvrir naturellement son restaurant. On espère qu'elle invitera tous ceux qui sont sur le plateau aujourd'hui pour un excellent souvenir. Merci à la Dexisici qui nous suit également du côté du 94 à Champigny, à Paris. Merci également Blondine qui est une fan de cette émission. Merci, n'est-ce pas, à vous tous qui êtes à la maison de par le monde, qui suivez cette 7e édition du journal culturel. Alors, GPS, pour la fin. Voilà, on va tout à fait remercier tous les acteurs qui ont répondu présents aujourd'hui, c'est-à-dire nos invités. Patrick Moukala, voilà, qui nous font toujours confiance pour ces événements, qui m'a fait venir à Madrid pour la première fois. Donc, on remercie, qu'on tient à remercier de ta disponibilité pour cette émission et aussi pouvoir échanger pour que nous puissions savoir ce que vraiment les différents organismes qu'on peut approcher en tant qu'artiste, en tant qu'intermittent pour pouvoir faire avancer notre communauté à nous, notre diaspora culturellement parlant. Voilà, je dis comme ça aussi merci à Dominique Njor de Dominique Prod, les premières personnes qui m'ont donné carte blanche sur la place parisienne pour pouvoir m'exercer dans mon domaine de la photographie. Ce sont eux qui m'ont donné ma première soirée en tant que photographe. Voilà, je tiens comme ça à remercier Dominique Njor, Émile Dou et aussi Honoré Lamama lors de cette soirée-là. Le banquier du pape, voilà, tu viens de parler, on s'est rencontrés deux fois dans les derniers événements. On vous souhaite vraiment beaucoup de courage pour les activités actuellement que vous êtes en train de que nous tous nous traversons. On se tient vraiment dans le coude pour que nous puissions avancer. On va comme ça dire, Ilès Sopi, si tu me le permets, le rendez-vous de demain, les invités qu'on va avoir demain sur nos plateaux et samedi aussi. Demain, on aura le journaliste de la CIA TV, Eric Christiania, qui va intervenir depuis chez lui à Yaoundé, étant confiné. Il viendra aussi ici nous dire comment se déroule le confinement de son côté. On aura aussi Dedo Bimbe, qui est pianiste, qui est aussi le directeur de Dedo Musical, donc qui est aussi impacté par ce Covid. Il viendra aussi ici demain nous dire comment se déroule le confinement de son côté. On aura aussi une promotrice et présentatrice du côté de la Côte d'Ivoire, Linda de l'INSEE, qui sera ici avec nous pour qu'on puisse échanger et voir comment se déroule aussi le confinement de Linda de l'INSEE de ce côté-là. Et samedi, on fera l'émission plus tôt, comme que d'habitude, puisque c'est le week-end, on fera un peu l'émission plus tôt, c'est-à-dire voilà, de 16h à 18h. Il faut bien prendre rendez-vous samedi, c'est de 16h à 18h. Là, samedi, on aura comme pour inviter Maître Ngamo, qui est le président de NGR Productions, qui viendra ici nous dire comment se passe le confinement. Et aussi nous dire l'impact qu'a eu le Covid dans les activités culturelles de Energy Production. On aura aussi une présentatrice journaliste du côté du Cameroun qui va intervenir, qui s'appelle Tessa, c'est ça? Tessa Bach, elle est journaliste culturelle. Voilà, journaliste culturelle. Elle a une émission sur la CRTV. Elle a une émission actuellement qu'elle gère en anglais
sur Canal 2. Elle est parfaitement bilingue, hein, Tessa Bac. Voilà. C'est une journaliste culturelle du côté de Douala au Cameroun. Voilà, on aura aussi un manager qui est du côté de Metz, ici en France, qui s'appelle Monsieur Boum, qui viendra Oui, aussi. Samuel Boum, lui, Oui, c'est Samuel un Boum. professionnel de métier, il manage pas mal d'artistes. Samuel Boum, il est du côté de Metz, dans l'est de la France. Sachant que lorsque nous aurions demain l'INSA de l'INSEE de la Côte d'Ivoire, il faut dire que hier, nous avions, n'est-ce pas, Nathalie Nathalie peut Benaël, qui est une intervenir, Tchadienne, que Tchadienne. nous avions depuis, Los Angeles. depuis le LA, Los Angeles, qui a intervenu également hier pour l'émission, n'est-ce pas, du journal culturel. Voilà. C'est Voilà. vraiment un panoplie, un panel assez large, hein, que nous déployons de par le monde pour que vous puissiez être au courant de ce qui se passe dans le monde entier sur le plan culturel. Voilà, donc c'est un peu le mot de la fin. Merci, messieurs, Il y a le mesdames. champagne, il y a le champagne Sassou qui se plaint là, Oui, vous n'avez pas fait le compte, Sassou, Sassou. Bon, il y a Sylvine Champagne, Dame, bon, il y a Sassou ceux qui se viennent se plaint. connecter, il laisse au pire. Je pense que peut-être, si on va peut essayer de prendre des lignes, un peu quelques commentaires pour la fin, vraiment, parce qu'il faut Oui, qu'on essaie un peu de libérer pourquoi nos pas. invités, parce qu'il y a les responsabilités après. Il y a Sylvine Dan qui dit bonsoir. C'est grave C'est ce grave soir, ce Massa. soir, Non, c'est juste Massa. qu'on a Bon, commencé de c'est l'émission pas... à Sylvie. C'est pas Sylvine qu'on Dan est allé loin qui nous parce que écrit je suis depuis prêt. Atlanta, qui est promotrice, ambassadrice aussi des APAT Awards, Hollywood African Prestigious Awards, qui se déroule constamment du côté de Los Angeles, qui est ambassadrice. Amand l'un te dit, Patrick, elle, qu'il espère que les frontières seront ouvertes d'ici là pour ton événement. Voilà, déjà un invité que tu risques de louper ou que tu risques d'avoir. Voilà, l'événement de Patrick Moukala le 31 octobre, si Dieu le veut. Voilà. Vivement que Patrick Moukala puisse organiser son événement bientôt. Ça, c'est Dedo. J'ouvre pas le resto, je suis dans la finance. Ah, c'est Nina qui nous rectifie par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure, qu'elle ouvrait le restaurant. Bon, mesdames, messieurs, vraiment, bonsoir, bonne soirée. Rendez-vous demain, 18h, 20h. Samedi, 16h, 18h. Au revoir, ciao, Merci. bonne Bye soirée, au revoir. bye. Ciao. Buenos tardes, señor. Buenos tardes, señorita.